Bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière après-midi pour de ces grandes rencontres de l'agriculture du vivant. Donc on a fait déjà 4 jours pour ceux qui n'étaient pas avec nous à la Cité universitaire de Paris. Et puis cet après-midi, comme une cerise sur le gâteau, donc on va revoir ou découvrir certains de nos intervenants pionniers de l'agroécologie en France. Et puis on ira au Canada et aux États-Unis. Donc deux temps dans cet après-midi. Donc on va recevoir d'abord Odette Ménard, Jill Clapperton et Frédéric Thomas pour 3 présentations. Donc on accueille Odette Ménard qui va venir, donc qui nous vient du Québec, du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec. Alors peut-être il faut qu'on sache un petit peu qui on a dans la salle, je crois. Alors le micro, il faut appuyer. Alors peut-être qui dans la salle est producteur ou agriculteur, donc pour qu'on sache un petit peu. Oui, donc on a bien deux tiers dans la salle. Alors peut-être, est-ce que tout le monde est convaincu de l'intérêt de l'agriculture et des sols vivants ici? C'est pas mal, on est à 92% à peu près. 92,4%. 92,4%. Et est-ce que tu voulais... Alors qui est... C'est bon, oui. On a tout pour commencer. Donc oui. Odette, je vous laisse... On s'amuse. Vous amusez avec votre présentation. Oui, on va s'amuser. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. C'est toujours un privilège pour moi quand les gens m'invitent pour que je partage avec eux mon petit savoir. Et je vous remercie d'être là. C'est bon pour l'estime de soi. Et je n'ai pas choisi estime de soi par instinct, mais... Il y a quelques années, quand mes enfants commençaient à aller à l'école, on était quelques parents qui suivions des cours sur l'estime de soi et sur comment élever nos enfants, comment les aimer, etc. Et quand on arrivait dans ces cours-là, les gens qui donnaient le cours nous demandaient ce qu'on vient de vous demander et nous disaient, vous savez, les gens qui ont besoin de cette intervention-là après-midi ne sont pas ici. Si vous êtes déjà convaincus, ça va être bien trop facile pour nous autres. Et c'est un défi qu'on a au Québec quand on parle de santé des sols, quand on parle de conservation des sols. Bien, quant au 25 février, on a ça et qu'on vient ici et qu'on se rend compte que le blé a déjà 10-15 cm de haut, c'est deux histoires complètement différentes. Et pourtant, c'est le même souci. On veut aussi faire de la santé des sols. Alors, je vous présente mon chez-moi et je tiens à vous souligner, si vous regardez la photo du milieu, ben on voit que je fais quand même mes profils de sol, même en hiver. Donc, je voulais vous parler cet après-midi de notre première fois. Est-ce que vous vous rappelez votre première fois? Mais il y a quelqu'un en avant qui me dit qu'il veut vraiment qu'on précise quoi. Je suppose qu'il est assis à côté de sa femme. Il y en a d'autres qui étaient plus seuls et qui étaient comme des grands « oui, je me rappelle ma première fois ». Alors, c'est ce que je veux faire cet après-midi. Donc, je voulais vous parler de ma première fois. Et donc, c'est le thème de cet après-midi avec vous. Et je voulais vous parler de mon premier emploi. Mon premier emploi à vie, j'avais 16 ans et j'ai été engagée dans cette usine-là. Cette usine-là fait des tuyaux de tôle ondulée, galvanisée. Et mon contrat cet été-là, je travaillais de 5 heures le soir à 5 heures le matin. Je faisais 44 000 de ces tuyaux-là, sans arrêt. Il fallait pas, j'avais pas l'été pour les faire. Je faisais ça, dans une nuit, on sortait 44 000. Alors, on était très... Non, c'est 44 000 par semaine. Une semaine, on m'a donné ces petits ventilateurs-là à faire. J'ai eu une petite pause et on travaillait là-dessus. C'était une machine extrêmement dangereuse. Il fallait être très prévoyant.
Quand j'ai eu fini mon été, ce fut ma première vraie leçon de vie. J'ai pris tout l'argent que j'ai gagné cet été-là et je l'ai dépensé dans 10 minutes. Je savais pourquoi je travaillais, j'ai su comment, je connaissais très bien comment faire des tuyaux. Le temps a passé tout l'été, mais j'ai compris que si je n'ai pas de plaisir, les choses perdent vraiment de la valeur. Et ma mère était bien découragée de voir la capacité avec laquelle je pouvais dépenser de l'argent. C'est ma première leçon de travail. Ma première remise en question professionnelle. J'ai un diplôme au Québec, on a un diplôme d'ingénieur, c'est comme les ingénieurs civils mécaniques. Le mien, c'est un diplôme en génie agricole. J'ai une maîtrise en génie agricole et ma spécialité, c'est les structures de bâtiments. Alors, tout le début de ma carrière, j'étais le genre de personne qui se promenait avec le menton très élevé et je regarde les structures de bâtiments et ça me passionne. Et finalement, je décroche un emploi au ministère de l'Agriculture et quand j'arrive le matin, on m'a engagée comme ingénieure en structure de bâtiments, mais quand j'arrive à mon emploi, mon patron me dit « on n'a pas besoin d'ingénieur à bâtiments ». Vous savez comment sont les gouvernements, mais on ne pouvait pas engager personne d'autre qu'un ingénieur à bâtiment, donc on a engagé un ingénieur en bâtiment, mais on n'en a pas besoin. Et toi, je veux que tu t'occupes de la conservation des sols. Et à l'intérieur de 10 minutes, ma première remise en question professionnelle, je suis passée des bâtiments au sol à la problématique d'érosion. Mon patron me dit un lundi matin, on a des problèmes majeurs en érosion hydrique, il faut corriger la situation. Et mercredi, tu as une conférence à donner sur les phénomènes d'érosion hydrique et les moyens de les corriger. Je suis une très vieille personne. Au moment où mon patron m'a dit ça, à cette époque-là, Internet n'existe pas. À cette époque-là, Internet s'appelle une bibliothèque. Et PowerPoint n'existe pas non plus. Ça s'appelle des acétates. Alors, en 2 jours, je suis devenue une spécialiste en érosion hydrique en courant à la bibliothèque. Et on a réfléchi rapidement pour se rendre compte que pour corriger la problématique d'érosion hydrique, pour corriger ce phénomène de surface, mais il fallait couvrir nos sols et on s'est mis à faire toutes sortes de projets en semi-direct. Ces résidus-là, je les appelle mon armure pour protéger le sol contre l'érosion et on s'est mis à travailler dans des situations. On a fait du semi-direct, on avait la machinerie, on n'avait pas de problème technique et on s'est mis à faire toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de réflexions. Ça marche, ça ne marche pas et c'est là qu'on est rendu. Et là, j'ai eu ma première vraie rencontre avec les vers de terre. Avez-vous déjà rencontré vos vers de terre? Vous les avez nommés? Et on sait aussi aujourd'hui que pour chaque année cycle que je vois, il y a entre 25 et 30 endogés et épigés. Alors, 12 cabanes au mètre carré, ça me fait combien d'années cycles à l'hectare? $120,000 fois 25 à 30, je suis rendue à combien de verres à l'hectare? Je suis rendue à tout près de 3 à 4 millions de verres de terre dans 2 champs comme ça. Et c'est devenu un indice que quelque chose se passe bien dans nos champs. Quand on voit une cabane maintenant, quand on y repousse les résidus, bien, on voit le trou du ver de terre qui est installé. Combien de temps dure un tunnel de ver de terre? Les années secs creusent des tunnels verticaux qui vont se rendre jusqu'à la nappe phréatique ou au roc, le premier étant venu, et ils vont vivre dans ce tunnel-là toute leur vie.
Chez nous, au Québec, on estime qu'ils vivent 8, 7, 8, 9 ans. Plus il fait chaud, moins il y a épais de neige l'hiver, plus la survie est longue. Mais le tunnel, il reste combien de temps dans le sol? Ben jusqu'à 30 ans. Il y a un chercheur aux États-Unis qui a compté combien de temps un tunnel pouvait rester. Il les marquait et à chaque année, il allait vérifier la solidité du tunnel. Et il a arrêté à 30 ans. Savez-vous pourquoi? Il est mort. Et personne n'a pris la relève. Donc, on peut avec certitude parler que ces tunnels de verre de terre-là ont une persistance dans le temps qui va au-delà de leur vie. Et tout d'un coup, on s'est mis à réaliser que faire du semi-direct, là, reportez-vous à une époque de dinosaures, si vous voulez, mais faire du semi-direct, alors que techniquement, c'était facile, bien, il fallait rencontrer nos sols, il fallait savoir ce qui se passait. Et ici, vous voyez bien le maïs, vous voyez bien les résidus, mais ces résidus-là, il y a quelqu'un qui les gère à la surface. Et vous voyez les cabanes de vers de terre qui se sont formées. On est rendu au 12 juin et au 23 juin, il y a déjà plus de résidus au sol. Donc, un des facteurs clés d'un succès de semi-direct, c'est d'avoir déjà cette population qui était capable de gérer les résidus qu'on laissait à la surface du sol. Ensuite est venue ma première rencontre avec Frédéric Thomas. Connaissez-vous Frédéric Thomas? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Parce qu'il me semble que vous ne savez peut-être pas tout de Frédéric Thomas. Mais en fait, à ma première rencontre avec Frédéric Thomas, c'était pour me rendre compte que ce n'était pas ma première rencontre, mais c'était ma deuxième rencontre. On va laisser ça là. Mais avec Frédéric Thomas, on a développé une complicité, une amitié et tout ça autour des vers de terre. Et c'est là aussi qu'est venue ma première rencontre avec le sol. Lequel vous voulez pour planter, pour semer, pour faire de l'agriculture? À gauche ou à droite? Qui veut à droite? Qui veut à gauche? Pourquoi vous voulez à droite? Parce que tout d'un coup, vous vous êtes mis dans la peau d'une plante. Vous vous êtes dit, si je veux pousser, j'ai besoin d'aération, j'ai besoin d'espace. Ici, on a quelqu'un qui a pris à gauche. C'est un constructeur de maison. Alors, dépendant de ce qu'on veut faire, on va aller choisir différentes caractéristiques. Et pourtant, ces deux échantillons de sol-là ont été pris à peu près 50 cm un de l'autre. Et si on prend l'analyse chimique traditionnelle, ces deux sols-là vont avoir exactement la même analyse. Donc, il faut aller plus loin dans notre connaissance des sols pour aller chercher les caractéristiques vraiment vivantes de notre sol. Et c'est là que la première rencontre s'est vraiment faite. On a un sol vivant, un sol endommagé. Et quand on fait différents tests facilement, vous connaissez le test de stabilité structurale? Oui. Qui la connaît? Qui l'a fait chez lui? Ah, on voit moins de mains. Et pourtant, c'est facile à faire. On voit ici un sol en mauvais état et vous voyez tout de suite la différence. C'est intéressant d'aller à la rencontre de son sol. Vous connaissez les simulateurs de pluie? Oui. Vous l'avez déjà vu fonctionner? Oui. Non. Désolée. Vous viendrez me voir après, je vous le montrerai. Mais le résultat du simulateur de pluie, c'est l'érosion qu'on recueille. Et dans le pot en arrière, c'est l'infiltration. Et on se rend compte rapidement, vous pouvez voir ici que l'érosion, on voit toute l'eau qui est érodée. Et dans un sol à nu, 70 à 75 de l'eau de pluie, on la perd par érosion. Et le pot en arrière, c'est l'infiltration. Et on peut voir très bien dans ce cas-là qu'il n'y a aucune infiltration. Par contre, à côté, il n'y a aucune érosion. Et il y a une infiltration.
Et vous pouvez voir aussi que la qualité de l'infiltration, l'eau est très claire. Et ça aussi, ça fait partie de connaître ses sols. On a un sol qui n'a que des résidus. Vous voyez que l'eau d'infiltration est foncée. Donc, ce n'est pas tout de faire en sorte de diminuer l'érosion de surface. Il faut aussi améliorer l'infiltration de notre profil de sol pour que l'eau s'infiltre sans traîner avec elle les particules de sol. Et c'est là qu'on commence à parler d'écologie du sol. Donc, dans un sol en santé, 95 % de la matière du volume du sol va être composé de matière minérale, d'eau et d'air, ce qui laisse 5 % de matière organique. Et dans ce 5 % de matière organique-là, je retrouve le 5 % des organismes vivants. Et de la biomasse totale des organismes vivants, les vers de terre ne comptent que pour 22 % de cette biomasse-là. Alors, vous vous rappelez tantôt combien de vers de terre j'avais dans mon champ? Bien, ces 3 à 4 millions-là, il y a 4 fois leur poids en micro-organismes. Et là, on commence à parler d'un sol en santé. Ce sont ces micro-organismes-là qui sont responsables du fonctionnement optimal de nos sols. Et dans une poignée de sol comme ça, je peux avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries. À 3, 4, 5 poignées de sol, on arrive avec notre population mondiale, mais on l'a dans nos mains. Alors, c'est intéressant de travailler. Quand notre sol est en très bonne santé, si je prends toute cette biomasse-là, elle peut équivaloir à 10 unités animales à l'hectare. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des animaux ici? Est-ce que vous avez pensé passer une journée sans nourrir vos animaux? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à passer une heure sans nourrir un ado? Quand est-ce que vous avez nourri votre chaîne alimentaire? Quand est-ce que vos préoccupations vous mènent littéralement à penser à nourrir cette chaîne alimentaire? Et cette chaîne alimentaire-là, bien, c'est mon armée. Vous connaissez les Gaulois? Je pense qu'il faut trouver un nom. Ça nous prend un agronomics. Quand on commence à penser santé des sols, et c'est le grand défi qu'on a en agriculture actuellement, c'est qu'on part d'une situation pour se rendre à une autre situation. Des sols en très grande santé, c'est l'équivalent de se dire que demain matin, on veut courir un marathon. Combien d'entre nous sommes capables de courir un marathon demain? Eh bien, peut-être lui, il dort. Mais si on s'entraîne, dans 2 ans, je vous garantis qu'on est tous capables de courir un marathon. On n'arrivera pas tous en même temps à la ligne d'arrivée. On n'a pas tous le même potentiel athlétique. Mais on est tous capables de courir un marathon. Et c'est exactement le cas quand on parle de sol. Tous nos sols sont capables d'une extrêmement grande santé. Il s'agit de mettre en place les stratégies, d'y aller avec le bon temps, de prendre le temps, et on va améliorer, et ça ne va qu'aller à s'améliorer. Et c'est là qu'est arrivée ma première rencontre avec les cultures de couverture. Et là, on commence à attraper notre cycle complet. On a protégé le sol, et avec les racines qui vont permettre une pérennité de vie dans le sol à l'année, on est arrivé à des systèmes qui sont intéressants. Les premières cultures de couverture que nous, on a commencé à travailler, c'était le fameux radis. Chez nous, c'est le tillage radish. Ici, vous avez trouvé un nom très français, structurator. Maintenant, vous l'appelez chinois. Mais c'était une plante qui était extraordinaire et qui nous donnait l'impression parce qu'elle était tellement costaude qu'elle était pour arriver à décompacter nos sols. On est allé plus loin, on a compris qu'il fallait aller ailleurs, qu'il fallait aller avec des mélanges, mais maintenant, il faut aller encore plus loin que les mélanges, en tout cas à mon avis, il faut réinventer l'architecture de notre agriculture. Il faut penser différemment. Il ne faut pas juste faire une continuité, il faut mélanger les choses. C'est un exemple ici du pourquoi on fait les choses. Un producteur agricole qui voulait avoir une bonne biomasse en intercalaire.
Elle n'est pas là actuellement, mais il a fallu faire des essais pour dire quand est-ce qu'il est le meilleur moment pour semer. Et on a eu cette biomasse-là en intercalaire dans le maïs. La question étant, est-ce que ça a endommagé les rendements? Bien non, on n'a pas endommagé les rendements parce que l'architecture qu'on avait choisie, c'était de semer en trois rangs et non pas d'y aller à la volée. Et rapidement, on a ces exemples-là qui commencent. Vous avez vu la neige qu'on a chez nous en ce moment? Bien, normalement, en janvier, on a un redoux et toute cette neige-là fond. Et après ça, on repart sur l'hiver. Donc, j'ai des gels qui sont importants. C'est une problématique dans notre blé d'hiver. Ce producteur-là sème du lin après ses cultures de conserverie. Puis, bien, en ce moment, il est en train de semer le blé dans le lin. Et on voit l'effet des petits brise-vents pendant l'hiver. On voit l'impact au printemps. Et c'est ça, changer l'architecture. Ça devient quelque chose qui est beau. Ça ne l'était pas. Ça reste encore problématique pour plusieurs personnes. Et quand on arrive à la récolte, bien, on a des champs qui sont parfaitement uniformes. Du blé d'hiver, moitié de champ. On a gardé une moitié où est-ce qu'on a planté du soya. On a récolté le blé. Le soya a poussé. Au moment de la récolte de blé, on a semé du seigle d'hiver. Quand le soya est récolté, mon champ est déjà en production de racines. C'est pour ça que je parle d'architecture. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on aimait avoir les choses en rang. On aime avoir les choses bien carrées, bien organisées. Et là, tout d'un coup, on mélange tout ça ensemble et ça fait quelque chose qui est extraordinaire. C'est une expérience qu'on est en train de faire, c'est la deuxième année seulement, mais on a déjà des résultats très intéressants. Qu'est-ce que vous voyez ici? Du maïs? Vous connaissez ça, le maïs? Et là, ce producteur-là sème deux rangs sur trois. Donc, l'espacement entre deux rangs est de 75 cm, et puis il y a un espacement de 150 cm, et puis un espacement. Donc, deux rangs sur trois. Il maintient la même population de maïs sur deux rangs, il garde le même rendement, mais en faisant comme ça, ça lui permet, vous voyez une photo un peu plus aérienne, il y a une portion de son champ qu'on est à l'essai, une portion qui est conventionnelle. Mais ce que ça permet, c'est que où il y a 150 cm, la croissance de mes cultures de couverture est beaucoup plus importante. Le maïs a beaucoup plus de plaisir à pousser que où il n'y a que 75 cm. Et je n'ai pas de perte de rendement de maïs. Alors, vous allez me dire, pourquoi on ferait ça? Là, c'est cute, là, l'architecture puis les belles photos. La culture qui bénéficie le plus de cet exercice-là, c'est le soya qui suit le maïs, parce que le soya, sur un retour d'une biomasse très importante, va chercher beaucoup d'avantages. Et là, on vient de changer encore une fois notre regard. On n'est plus sur une technologie parallèle et constante, on est dans quelque chose qui est complètement différent. Ce sol-là, quand j'ai commencé à travailler avec ce producteur-là, il était jaune comme la base de ce sol-là. Et en dedans de 8 ans, on a réussi à changer le profil. Je voulais juste vous partager les trois bases de la santé des sols. Si vous avez des notes à prendre, je pense que c'est ces trois bases-là. Alors, la première base, c'est couvrir et nourrir tout le temps. La deuxième, c'est... La troisième, c'est, si vous vous rappelez de ça, quand les choses vont aller mal, quand les voisins vont avoir un tout petit rictus bizarre, rappelez-vous des trois bases de la santé des sols, ça nous prend des résidus en surface et partout dans le profil. Il faut réinventer nos rotations, il faut éliminer le travail du sol. Et l'indispensable réseautage. Maintenant, avec toutes les plateformes possibles électroniques, il n'y a pas raison de ne pas avoir un réseau dynamique autour de soi, autant en termes de producteurs,
autant en termes de vulgarisateur, autant en termes de chercheur. Il n'y a rien d'aussi intéressant que ce réseautage-là. C'est dynamique et ça nous fait avancer socialement beaucoup. Il me reste combien de secondes? 14 secondes? Non, c'est bon. Je veux juste vous laisser sur cette petite chose-là. Il faut regarder les choses sous un angle différent. Combien d'entre vous faites du parachute? Personne. C'est rare. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive qu'il n'y a personne qui a fait de parachute. Je vous présente mon fils, Frédéric. C'est ses pattes. Frédéric a 16 ans. C'est un garçon extraordinaire. Vous auriez un plaisir immense à le rencontrer. Frédéric va devenir producteur agricole. Il a étudié en agriculture. Quand il a décidé d'étudier en agriculture et qu'il est arrivé chez nous en disant « Maman, je vais être producteur agricole. Peux-tu m'aider? » Je lui ai dit « Trouve-toi donc une fille que son père est producteur agricole. » Je pense que c'est ça la meilleure aide qui va arriver. 2 mois plus tard, il me présente sa copine, dont le père est producteur laitier. Mais il a cette tête-là d'agriculture et c'est un vrai défi parce qu'à chaque fois qu'il rencontre un producteur agricole, à chaque fois qu'il parle avec son beau-père, il dit toujours « Ma mère dit qu'il faut faire ça ». C'est que là, j'ai vraiment les pieds bien pris dans la réalité agricole. Mais vers 16 ans, c'était un enfant qui s'en allait tout droit vers « j'aime pas l'école, j'étudierai pas, il n'y a rien de bon dans la vie, tout est plate ». Et un bon matin, il rencontre quelqu'un qui lui fait faire un saut en parachute et sa vie a changé ce matin-là. Et moi aussi, pour la première fois, j'ai douté de mes capacités de parent parce que pensez-y une seconde, là. Quel genre de mère laisse son fils sauter à 5000 mètres d'altitude? Il a bien fallu que je le signe, le papier. J'avais bien peur que la direction de la protection de la jeunesse débarque chez nous puis m'enlève mes 4 enfants. Et depuis ce temps-là, il a sauté, il saute toujours. Il a au-dessus de 1000 sauts à son actif. Et maintenant, il saute avec les gens en tandem. Et il me rapporte ces photos-là. Et moi, quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, « Ouf! Quand est-ce qu'on prend du recul sur ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on prend le temps de sauter en parachute et voir vraiment l'impact qu'on a sur notre terre? » Et c'est pour ça que je vous souhaite à tous de faire un saut en parachute. Et des photos de drones, ça ne compte pas. Vous connaissez le « fear of missing out » ? La peur de manquer quelque chose, c'est quelque chose qui, c'est un phénomène relativement nouveau et qui est entièrement relié à nos cellulaires. Ce besoin d'être au courant de tout instantanément. Instantanément. On prend des vacances maintenant, il y a des zones où est-ce que vous payez pour qu'ils vous enlèvent votre cellulaire. On n'est même plus capable de s'en passer soi-même. Et cette peur de manquer quelque chose, elle est très présente. On la voit ici. Et ce n'est pas que ces gens-là sont extraordinaires. On a besoin de cette technologie-là. Mais souvent, ils nous vendent de l'espoir, ils nous vendent du rêve, ils nous vendent toutes sortes de trucs qui nous garantissent un meilleur rendement. Alors que pour s'en sortir, ben pour moi, il faut connaître, il faut apprendre. Il faut comprendre et il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Quand on parle, quand on met la santé des sols au cœur de nos préoccupations, ben il faut absolument se faire confiance. Ça marche, mais ayez pas peur de prendre le temps et de continuer votre démarche. Je vous remercie infiniment. Je crois que vous êtes tous d'accord pour
pour se dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir tous ces intervenants cet après-midi. Merci beaucoup, Odette, d'être là. Et on va passer la parole à une autre grande dame de cette agriculture du vivant, de cette agroécologie, qui nous vient des États-Unis. C'est Jill Clapperton, qui est écologue et qui... ton entreprise s'appelle Rizoterra, c'est ça. Voilà, tu vas nous... C'est ça, et tu vas nous parler... je crois que tu n'as pas besoin de micro. Oui, c'est bon, tu... Voilà, donc on va parler sur, encore de santé des sols pour la santé globale de notre écosystème. Alors, je crois qu'on a le ministre sur le salon. Est-ce que quelqu'un a son... Je fais du Alain Canet, mais est-ce que quelqu'un a son 06 pour l'appeler et qu'il puisse venir entendre ce qu'on dit? Oui, Alain. Non, il n'est pas là. Voilà, alors si tout le monde peut envoyer un tweet au ministre pour lui dire de passer à la conférence jusqu'à 17h, peut-être qu'on aura la chance qu'il puisse venir entendre nos mesures, c'est les mesures couverts végétaux, hein, c'est ça, 100% de sol couvert pour le ministre. Jill, it's your turn, so... Yes. Thank you. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Okay, if I'm supposed to stay up here, but if you have any questions, you can email me at rizoterra.com. You can leave a message on my website. If you like to tweet, please do. I like to, so go ahead. Okay, and now, after listening to Odette, my friend Odette, I also come from Canada. I worked for Agriculture Canada for a number of years. Now for something completely different. The biological is important because it unites the chemical and the physical properties of your soil. When we get to, and that's what gives us soil health. Soil health does not exist if the soil isn't alive. You need to have living things in your soil in order to have soil health. And the biology is what makes the physical structure. It's what makes the chemicals recycle in your soil. It's what drives the whole process. So if you want your soil to work for you, you need to have it alive, you need it to be healthy. Productivity of soil. The productivity of the soil is often measured in bushels, in tons per hectare. No. If what is what you're producing, is it good for you? Does it make your cattle well? Does it feed your soil really well? It has to be good for you. It has to have quality. It's not just about the quantity, it's also about the quality. And if we put all the nutrients from our fertilizers and from our organic inputs into our plants, we have nothing going into the environment. If we put it all into our plants, it also means that we're making nutrient-dense food. And when we have nutrient-dense food, what do we have? Health for ourselves, health for our animals. So a healthy soil, in a healthy soil, plants will thrive. They will be very healthy. They'll look awesome. And we have Olivier Husson in the back, so they have great redox potential. We also, the most important characteristic of the soil is the structure. If we don't have good soil structure, good stability of the aggregates, then we can't have animals in the soil, we can't have all the bacteria being eaten by the predators, by the nematodes, by the protozoa, and recycling the nutrients. We can't have it because we need to have good soil structure. And then, when we have good soil structure, our soils function. It means that we have recycling of nutrients. It means that we have water infiltration. It means that we have air going into the soil. And if our soil structure is really good, our soil structure goes down 1 meter, more than 1 meter, 2 meters, 3 meters. We want deep,
black soils with lots of organic matter. And we have a diversity of organisms because we're feeding the animals in our soil quality organic matter, which means that we get more diversity. And we're diversifying our plants, we're diversifying our rotations. So again, we build the diversity. The structure should look like this. And if we look here, I think this is the one. It looks like a map. But this is the soil. This is a CAT scan of the soil. So we see all the little tunnels, all the little roads. It looks like the infrastructure of a city. It could be Paris. And when we see things like this, it means that the protozoa can move really fast. It means that the nematodes can zoom around and they can eat up all the bacteria and they can eat up all the fungi and they can recycle all the nutrients in and around the roots. And then the plants are more efficient because they take up nutrients more efficiently and effectively when they come from a biological system. So now we have predator-prey relationships. And that is the most important thing. The most important thing in your soils, not the bacteria, not the fungi, they're important, but it's the animals that eat them, that recycle the nutrients for the plants. They are the important part. And they're very sensitive to disturbance of the soil. So we need to think seriously about semi-direct non-avail. And you can see, look at all the space between here. And the space here, there's lots of things for microbes to move around, lots of space to recycle nutrients. If you build it, in this case, we have a corn planter going into a cover, a green cover. And we're seeding the crop, and then we're going to roll the cover, and then the crop's going to grow. So we are always keeping the soil covered. We are always trying to grow something. No matter how much water we have, you cut, they come. You'll see les vers de terre. You'll see lots of them, and you can see they're really happy. They've got cocoons. They've been having lots of sex. But you also see the structure of the soil. It's beautiful. It's well aggregated. It doesn't look smooth and flat. It has texture. That's what we're looking for. And healthy soil is in your hands. As farmers, as all of us farmers, it's in our hands. We can make soil better. We can totally destroy it. We can destroy it and then make it better again. But let's try to make it always keep it better. Always keep building. Always keep going forward. This is soil your undies. Hashtag soil your undies. You can see that women's underwear isn't completely cotton. But you can see this is in my orchard. And we buried one underneath a mulch, a cover of straw. The other one we buried in the ground underneath the bare ground. And you can see after 6 weeks, one of them has no cotton left. Cotton is cellulose. So what am I measuring? Decomposition by fungi. Because it's the fungi that breaks down the cellulose. It's the fungi that break down the cotton. This is actually a real test. It's a fun test, but it's a real test. And you can see it's fun. Everyone likes it. This is after a cover crop in Oregon, and you can see the destruction. And we have, on my website, you can find a full method for how to do this scientifically. Okay, so when we started in agriculture, it's all about yield. We didn't have a goal for output, like nutrient output. But now we do. The time is now. So, how do we do it?
How do we build nutrients in soil? How do we get nutrients to food? We grow roots. We grow lots of roots. Beaucoup de racines. In between our maize rows, we're growing legumes. We're growing mixes of legumes. We're feeding the corn nitrogen at the same time the corn is growing. They're sharing, the roots are sharing amongst one another. The mycorrhiza are sharing the water, they're sharing the nutrients, they're pulling nutrients out of the soil, they're feeding the plants, and they're feeding both plants. Guar and mung beans, we tried each of these separately and now we blend them together. We wanted to see how they would grow between the rows. And you can see in these corn rows, dry land corn, no irrigation, you can actually see that we're growing fine. This is the farm of Chris Tichow. Now we can see the treatments we had. Three sisters from the people of the First Nations, the Indians in North America and in South America and Central America, they would grow corn, maize, haricots verts, and courgettes. And they would grow them together. So that's the three sisters here. Then we have guar, pigeon pea, sun hemp, cowpeas, mung beans. The most important thing you see here, the cobs are filled. 40 units of nitrogen, that's all. We did okay. These are the results. So the results are, in this case, we're using a new instrument. It's called X-ray fluorescent spectroscopy, XRF. And we can measure things in 30 seconds. So we can measure the quality of the grain, the quality of leaves. We can do real-time measurements on farms now. And you can see what's important here is look at with soybeans. Look at how much phosphorus we're putting in the seed, how much potassium we're putting in the seed compared to the maize. But you can also see the difference between the treatments when we add pigeon pea, when we add guar, when we add sun hemp. But more importantly, from a nutritional standpoint, these numbers, iron. When people are malnourished in the world, one of the biggest problems with malnutrition is vitamin A. The next one is iron. And the third one is zinc. Zinc because it drives most of the neurological functions for thinking, for cognitive ability. You need zinc. Iron you need for almost everything else. And vitamin A because it drives a lot of those processes. This is how we measure. We just use a coffee grinder on dry grain. We measure. 30 seconds later, we get those results. This is what we had. What's really interesting here for me is that this was warm season covers alone. Now we have warm season covers, we mixed with cool season, we had even more diversity. So now instead of only one plant between the rows, we had two or three. And look at the changes in the yield on the dryland corn. Diversity is a good thing. Roots, grow more roots. The other part was, is that when I go back to that one, in this case, we were growing brassicas, and brassicas release the phosphorus, they release the magnesium, they release the calcium, and they build the sulfur. So we're getting better plants. So you have, that's the other thing, you need to think about this. When you're growing things in between the rows, you need to think about what you're planting. You need to choose. Choose the right thing. The idea of putting intercropping. In this case, we're intercropping, companion cropping and intercropping. In this case, we have tournesol, sunflowers, we have fava beans, favrol, and then we have crimson clover, trafle. And you can see it's beautiful. In fact, this farmer in Alberta, he grew this. This is from 2018. He grew this and he said, it's amazing. Actually, he said something else. He said, it's effing amazing. But it was, and this is his first time trying it. He harvested, not only did he harvest the sunflower, but then he harvested the fava beans. And he thought he was only growing a companion crop.
This is my first data, so my first time of looking at the effects of plants on nutrient density. This comes from actually the late 90s. But what you can see here, in this case, we had organic and low input. The low input is no-till. The organics are no-till, because I also do organics in no-till. This was, the top one was wheat underseeded with sweet clover. The second one was wheat and fallow, so bare soil. If you're growing with a fallow system and you have no diversity, your wheat is garbage. It's not good for me. I don't want it. I don't want it mixed in the elevator when it comes to me. I don't want it. It will make bad flour. We want to get rid of it. So in this case, organics are far superior to anything that came out of conventional. We get here, organic and low input. Now we have four crops in rotation, and you can see the differences, well, differences don't really exist. But here, what happened here? We added a forage crop, a cover crop, something with six or seven species in it. And now, all of a sudden, look at the difference here. Look at the difference here in the zinc. Look at the difference in the calcium and the difference in the phosphorus. Now, I have wheat that is really good for you, really good. And this one here is our continuous wheat, full inputs. The yields were declining, and we just kept pushing the fertilizer. It's not sustainable, but we add a mixed cover, totally sustainable, and wheat that's really good for you, same yields. These are the cover crops we were using, some of the examples. And I'm growing this on 300 millimeters of precipitation. All of this. This wheat. If I can do it, so can you. So what we have, these are the different things that we tried. This is what it looked like, and what we were aiming for here was for every kilo of dry matter of matter that we produced on the field, that we were producing a kilo of nitrogen and a kilo of everything else. So if we go back, this is 9, subclover, sorghum Sudan, and buckwheat. Oh, backwards. And this is what the yields look like. This is kilos per hectare. And you can see here how high the mineral nutrient density. One is pois, vase, avoine, four here, lens, sarrasin, six here. It's fava bean, peas, and oats. So faverol, pois, avoine. Seven, crimson clover, toffle, avoine, and radis, avoine. The one thing we learned, chicory, is terrible. If you're going to keep cropping, you need. I have it now always. It never goes away. It's good for bees. Very good for bees, not good for cropping. Genetics matter. Genetics really matter. We have to think about which, we have to talk to our breeders, the people that are breeding our crops, and say, we need crops that work in our system. We need crops that are not lazy and just want luxury feeding. We need crops that are fit, have good root systems, and still yield. We need these ones, and we need them to be able to extract nutrients. Look, some of them couldn't make very much iron. Some of them were very good at iron. We need to be selecting for these characteristics. This is in Quinn Organics in Montana, in northern Montana, Big Sandy for Frederick. And you can see some of these were new wheats. Some of them were very old. This was very old. Yogo is very new. And you can see it didn't matter. Every different variety took up different amounts of nutrients. So again, we need to ask our breeders. We have to say, come on, let's load them up.
we get into health. Because now we're saying, okay, I'm giving you really great food. Now you're going to be really strong. You're going to start solving some of your own health problems with food. This is my myrosinase. My myrosinase comes from radishes and comes from broccoli, but sprouted seeds. And eventually it converts glucoraphanin, which is also a very important ingredient for a very important ingredient for health in brassicas, it converts it into sulforaphane, which fights cancer, one of the most powerful antioxidants we have. You sprout your radishes for 7 days, but don't use common seed. You want to pick some of these varieties. They're much better. Smart radish comes from New Zealand, from Norwest Seed. Smart radish is a very new radish out there. It also has some red in it, which is also very good for you, anthocyanins. So now that we do not have food scarcity. We have politics, but we don't have food scarcity. One of the farmers I work with, Jim Robb from Kansas, he's a farmer from Kansas. He calculated that for 9 billion people, with one pound of corn per day for 1 year, we could feed all of those 9 billion people from one county in Kansas. Kansas has over 20 counties. It's only one state in the United States. And we could feed 9 billion people for 1 year with 1 pound of corn per day. Do we have a food scarcity? No. Do we have a quality problem? Yes. Do we have politics in the way? Absolutely. So now we use the same instrument we were measuring the grain with. We start measuring eggs. We're measuring the sulfur in the egg yolks, the sulfur in the white part of the eggs after we fed chickens probiotics. So instead of giving them antibiotics, we give them organisms to make their gut better, to make them happier, to make them healthier. And they actually are happier. They're very quiet, they're very calm, and they lay way more eggs. So why not? And the eggs have more sulfur. And they have better color without giving them any extra food to make them really yellow. Eating rich foods in zinc, they help your brain. And we know now that if we not biofortify, but fortify from the soil, healthy soils, put the zinc into the plants, into the food, we can start fighting Alzheimer's, Parkinson's disease. We can start fighting these diseases by eating really good food. This is the important part of what you're doing, and this is in the hands of the farmers. Trust the farmers. We need to be proactive. We can do this. This is for the English people in the audience. Healthy bread. Let's have grain. I work for the producers of the Columbia Plateau, Shepherd's Grain, and we believe that by using semi-direct, non-labour, by growing cover crops, by growing companion crops, by having great rotations, we can grow wheat that makes great flour, as healthy people, and we've proven it. We have different amino acids. Our bread, our flour produces way differently than others. And we buy the grain from the farmers for a premium. We will not buy the below the price of production because it's not fair. It's not about having cheap food, it's about having better food. Food pharmacy. I had the great privilege this year of working with a group of physicians from all across the United States on a farm in California. And they came because they wanted to learn about food and food production systems and how they could support no-till farmers and how they could support people who supported living agriculture. They wanted to know what they could do because what they do now is they're prescribing food for people. They're saying, oh, and you should buy from these farms because these farms do these things well and we know that this food is really good. And the government of California is giving the patients money so that they can buy the food from these people because it's through the healthcare system and they realize that people eating good food are no longer a risk to the healthcare system. And Dr. Drew Ramsey,
If you have a chance, you should go to his website, hear him talk. He talks about eating your way through depression and through psychiatric problems and mental illness. It's brilliant. So, we need to not just talk to food critics, but these are people who use a lot of social media. We need to tell them how what we do, that we do great things, that we as farmers, we treat the land with respect, that we're making the soil really healthy, that we're making the soil really alive. We need to tell them. We need to show them. We need to let the environmentalists know that we're doing a great job. Merci beaucoup. Thank you very much for this presentation. Gardez bien vos questions, on les prendra, on va se prendre 10 minutes, un quart d'heure après l'intervention de Frédéric Thomas, que j'accueille, créateur de la revue TCS, agriculteur. Je crois qu'on ne vous présente plus, hein. Vous êtes déjà bien présenté tout à l'heure avec Odette. Et sans son Georges. Non. C'est, ma présentation est dessus. Ouais. Voilà, merci. Voilà. Ouais, bon, bonjour tout le monde. Donc c'est vrai que j'ai. Faut que je reste ici. Et dessus, là. Ouais. Je pense qu'après la présentation qu'Odette a faite, j'ai pas besoin de remettre un petit peu. Effectivement, tu as raison. J'ai réalisé que la première fois que j'ai cru te rencontrer, c'était bien la deuxième. Je confirme. Hein, là-dessus, on est d'accord sur ce point-là. On va voir qu'on va être d'accord sur d'autres points. Je tiens à profiter aussi de cette opportunité pour remercier tous les gens qui sont là, Odette, Jill, Ademir, Don Rakowski, et puis bien d'autres collègues que j'ai pu croiser. Et en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quand même toute une équipe qui a construit tout ça. Chacun a amalgamé un petit peu à sa sauce, mais c'est quand même la force de toute une équipe depuis une vingtaine d'années. Et donc aujourd'hui, ça nous amène quand même à se retrouver au CIMA avec une salle aussi pleine et pouvoir présenter un petit peu ces informations-là. Donc moi, j'avais la responsabilité un petit peu de conclure vos travaux et puis d'intervenir derrière mes deux collègues canadiennes. C'est relativement compliqué. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un petit peu un angle différent. Je ne vais pas vous parler de la première fois. Je ne vais pas vous parler de la qualité alimentaire. Simplement, rebattre un petit peu les cartes. Et en fait, quand on regarde ça, on est parti du non-labour. On parle aussi beaucoup de TCS. Certains ont vu les TCSL, les techniques culturales sans labour. Alors, TCS, c'était les techniques culturales simplifiées. C'est devenu les techniques de conservation des sols. Les choses ont évolué dans le temps. On a vu le semi-direct, l'agriculture de conservation qui semble, qui a fait un petit peu sa place, qui semble un petit peu le cheminer en rassemblant plusieurs idées. On ne travaille plus le sol, on couvre le sol, on essaye d'avoir une diversification de plantes qui poussent. En fait, on a eu quand même un changement de cap assez important à un moment donné, et c'est à partir du moment où on a commencé à mettre les couverts végétaux. Et à partir du moment où on a considéré les couverts végétaux, eh bien, on est sorti d'un système un petit peu anti. On était contre quelque chose qui n'était pas bien, le travail du sol. Mais de manière assez brute, on peut affirmer aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'être quelque chose qui est censé être pas bien pour développer quelque chose de bien. Il faut surtout avoir une position positive. Et les couverts nous ont complètement basculé dans cette position-là. Et en fait, tant qu'on était aussi couvert avec 6 pans, culture intermédiaire piège à nitrate, ça n'a pas marché non plus, parce qu'on était contre les nitrates avec les couverts. À partir du moment où on a mis les couverts, ma foi, pour remplacer l'acier par des racines, alors c'est sûr qu'il y a du travail, il y a beaucoup moins à faire, remplacer le gasoil par la photosynthèse, remplacer l'urée par des nodosités, puis une grande partie des agro-phyto par de la diversité. En fait, on s'aperçoit que c'est des super outils. C'est des super outils. Et là, les couverts,
nous ont amenés à l'agroécologie. Et là, ça a été, enfin, pour moi, au moins, et je vais vous emmener dans, dans ces idées-là, un changement extrêmement important. Parce que là, lorsque vous commencez à penser agroécologie, en fait, vous n'êtes plus en train d'essayer d'enlever quelque chose. C'est bon, ça marche toujours. Vous n'êtes plus en train d'essayer d'enlever quelque chose de négatif, mais vous êtes en train d'essayer de jouer avec les fonctionnalités du vivant. Et en fait, lorsque vous rentrez dans l'agroécologie, mais en fait, ce que d'utiliser le vivant, comme ici les vers de terre, l'activité biologique pour faire le travail du sol, eh bien, les effets collatéraux vont devenir positifs. C'est-à-dire que là, vous allez non seulement développer la biodiversité, non seulement ben, vous allez limiter l'érosion, non seulement vous allez avoir éventuellement des aliments de meilleure qualité, vous allez diminuer le travail du sol, vous allez diminuer la quantité d'énergie, mais les impacts collatéraux seront positifs. Avec souvent des surprises vraiment géniales. Il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Eh bien, ça arrive lorsque vous avez une orientation agroécologie. Alors, je vais vous emmener dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, un des premiers exemples, je préfère descendre, parce que j'aime pas être sur... Ça va encore, là. Hein, c'est... Et Odette, elle avait le droit d'aller jusqu'à là. Et moi, je n'ai pas le droit. C'est... Et donc, la première chose, on aime bien parler de biodiversité fonctionnelle. Et lorsqu'on s'est engagé dans ces pratiques-là, quelque chose qui nous freinait beaucoup, c'était les limaces. Ça a été notre ennemi public numéro un. Et on s'est dit, bien ma foi, arrêtez de travailler le sol, on aura plus de limaces. J'ai même écrit, je m'en excuse, qu'il fallait déchaumer 25 fois pendant l'été. Ça tuait les limaces, ça exposait les œufs, etc., etc. Et puis, quand on a développé les couverts, on s'est dit, bien ma foi, ça va être pire. Puis progressivement, ben, on a vu arriver des carabes, on a vu arriver des staphylins, on a vu arriver des oiseaux, etc. On a même vu arriver des limaces carnivores qui mangent des autres limaces. Quand j'ai envoyé cette photo-là à Jean-Pierre Sartou, voilà quelques années, il m'a dit c'est la limace léopard. Moi, je n'avais jamais vu de limace léopard de ma vie, mais lui, il me l'a confirmé. Il m'a donné le nom latin. Vous m'excuserez, je ne suis pas un scientifique, les noms latins, je ne connais pas. Mais il m'a confirmé que c'était une léopard et je peux... Vous confirmez que c'était limace carnivore. J'ai testé, pas personnellement, mais je leur ai mis des petits appâts. Et effectivement, ça aime la viande. Donc, alors il y a peut-être des limaces véganes, mais il y a des limaces non véganes. Et donc, quand tout ça se met en œuvre, on n'est pas dans un système où on débouche sur du rêve, c'est-à-dire qu'on n'a plus jamais de problème de limace. Mais on arrive dans un système où l'équilibre se fait pas si mal que ça. Il y a des fois, il faut rester agriculteur, ça dérape. On va être amené à traiter ou trouver d'autres astuces, mais souvent, ça se passe beaucoup mieux. Il nous a fallu pratiquement 15 ans pour accepter ce changement de pratique. Autre changement assez récent, beaucoup plus récent, c'est le salissement. On est extrêmement ancré dans le travail du sol pour nettoyer les parcelles. Voilà quelques années, au CIMA, j'ai rencontré un agriculteur africain, et je lui parlais de non-labour, et il me dit, mais... Comment tu gères le salissement sans travailler la terre ? Ben, je lui dis, écoute, toi qui travailles la terre, tu ne dois pas avoir de problème d'herbe. Et là, excusez-moi pour la remarque, il y a eu un blanc. Hein ? Et oui, ben oui, non, beaucoup de gens travaillent, et ce n'est pas ça qui a résolu le problème de salissement. Et donc, on s'est aperçu qu'avec les couverts, et ça c'était l'INRA de Dijon qui nous a donné ça, que en fait, tous les carabes, les limaces également, toute cette activité biologique pouvait consommer des quantités de graines extrêmement importantes sous le sol, sous le couvert végétal. Lorsqu'on m'a donné ces chiffres-là, je suis moi-même resté, il y a eu un blanc, hein, on m'a dit 1000 à 4000 graines d'adventices par mètre carré par jour. Dit, vous pouvez me répéter, c'est à l'hectare ça. Non, ça peut manger 1000 à 4000. 1000 graines d'adventices par mètre carré par jour. Donc en fait, là, on est tout à fait dans l'agroécologie. Laissez tout ce petit monde-là, dans le fond. Laissez-les travailler. Ne perturbez pas l'affaire. Couvrez, donnez à manger, et tout ça risque de beaucoup mieux se passer, au lieu de passer son été à travailler le sol. Et en fait, c'est beaucoup moins coûteux, et on peut se payer les vacances avec les économies qu'on fait, donc il y a quelque chose de vachement sympa là-dedans. Maintenant que je vous ai décrit un petit peu ça, on va faire une forme de quiz. Je vais vous montrer des photos.
Et puis on va essayer de répondre ensemble, est-ce que ça c'est de l'agroécologie? À votre avis, est-ce qu'on est en face de d'agroécologie là? Quelqu'un qui est en train de faire du semi-direct? Oui, non, non, oui. Pardon? Ça peut. Ouais. Alors, effectivement, on pourrait se dire que c'est de l'agroécologie. Moi, je vais plutôt vous dire non. C'est quelqu'un qui fait du semi-direct. Même si je vous choque un petit peu, c'est quelqu'un qui ne va pas perturber le sol, qui ne fait pas une action agressive sur le sol. Mais en fait, c'est quelqu'un qui pas forcément nourrit son sol. On est simplement dans le retrait d'une action négative. C'est déjà bien, mais on n'est pas dans de l'agroécologie. Alors, si je vous mets ça, c'est pas parce qu'on a changé de couleur de tracteur et de couleur de semoir. Là, est-ce qu'on est dans l'agroécologie? Vous commencez à vous méfier, là. Hein, on est dans l'agroécologie ou pas, là? Oui. Alors, là, parce qu'en fait, on fait toujours du semi-direct, mais on fait du semi-direct avec des couverts végétaux, avec des racines. On est en train de nourrir le sol. L'autre, on était simplement en train de retirer une perturbation. Là, on est dans l'alimentation du sol. On nourrit les mycorhizes, on nourrit les vers de terre. On est même en train de rentrer de l'azote par de la fixation. C'est terrible, parce que si on détruit le couvert au dernier moment, on aime tellement le couvert qu'on le détruit qu'au moment où on sème. Et puis encore, s'il peut durer un petit peu longtemps, tranquillement, pas vite, on va le détruire. J'y arrive, hein, Odette, hein, c'est... Tranquillement, pas vite, on va le détruire. Si, je tiens à te montrer ça après, parce qu'on l'a détruit tranquillement, pas vite, le couvert, après. Donc, il continue à nourrir le sol et qu'on ait une poursuite du ver dans le ver. Là, on est dans l'agroécologie. On nourrit aussi, bien encore, des abeilles à la surface. On nourrit des perdrix, on nourrit toute l'activité biologique. Donc, en fait, là, les impacts positifs, les impacts collatéraux sont excessivement positifs. Là, on est face à du binage. Est-ce que là, on est dans de l'agroécologie? Je vais aller sur des questions qui se compliquent, hein, progressivement. Hein. Ouais, mais là... Non. Non, on n'est pas face à de l'agroécologie. On est face à une solution qui ne fait pas appel aux phytosanitaires. Une solution qui ne fait pas appel aux phytosanitaires, aux désherbants, soit, mais on fait appel à une action mécanique. Donc on est toujours dans une posture de lutte, dans une posture d'élimination. On ne fait pas appel à du vivant pour gérer la situation, on fait appel à du mécanique. C'est un intrant comme un autre. Alors bien sûr, ce n'est pas chimique, mais c'est un intrant, c'est une action mécanique, avec des risques collatéraux, qui peuvent être aussi négatifs, parce qu'on aura un impact sur une activité biologique du sol qui est en train de se développer. On aura aussi un impact s'il y a une grosse pluie, on a un risque d'érosion qui peut arriver. Donc en fait, ok, pas de phyto, mais c'est pas de l'agroécologie. Faire appel à la lutte biologique. Je vous avais dit, on complique progressivement. Est-ce qu'on est face à de l'agroécologie? Là, c'est des trigogrammes, j'ai pris un exemple, on aurait pu prendre X exemples de lutte biologique. Est-ce qu'on est en train de faire de l'agroécologie, là? Je vous ai dit, en préambule, l'agroécologie a ça de génial, c'est que c'est très simple à définir. Eh bien, encore une fois, je vais vous décevoir, non. On utilise du vivant, soit, mais du vivant qu'on a sélectionné, du vivant qu'on injecte, pour gérer la pyrale de maïs. Ok, il n'y a pas de phyto. Ça, c'est un point déjà positif. Mais en fait, lorsque vous utilisez du vivant, ça peut vous échapper. Vous pouvez toujours avoir un insecte qui s'est caché ou des bactéries qui s'est caché qui va venir bouffer les autres. Vous avez entendu parler des plantes invasives, vous avez entendu parler du frelon asiatique. On peut jouer à l'apprenti sorcier avec du vivant de la même manière... De la même manière qu'on joue avec des phytos. Ça peut nous échapper. J'ai une de mes filles qui travaille en oenologie, et on injecte des levures pour faire démarrer les fermentations, et l'autre jour, elle me dit, tu sais, papa, faut pas rêver. Hein.
On injecte des levures dans toutes les cuves et il y a une cuve sur trois minimum, c'est les levures indigènes qui lancent la fermentation. Hein? Malgré qu'on passe du soufre et qu'on injecte des levures. La vie est tellement forte. Il faut se méfier. Et c'est pas parce qu'on joue, là on est dans une posture de lutte, encore une fois, d'élimination. Hein? Et donc on peut créer des perturbations dans un milieu vivant avec de la biologie. Il faut être conscient de ça. Alors, ça reste une lutte, mais une lutte biologique. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas mettre ça dans sa boîte à outils. Hein, qu'on soit clair. C'est intéressant de le mettre dans sa boîte à outils, mais on n'est pas dans de l'agroécologie. Ici, on est dans du colza associé. Et je m'excuse, il y a du colza qui est en train de pousser dans le fond, là. Est-ce qu'on fait de l'agroécologie, là? Oui. Oui. Oui, certainement. Même beaucoup. En fait, c'est les couverts qui nous ont appris le colza associé. Et parce qu'on mettait des couverts, du colza dans les couverts, et c'était une crucifère qui ne nous coûtait pas cher. Puis au bout d'un moment, on s'est aperçu que il supportait bien l'ensemble de la couverture. Donc on a essayé. Ça n'a pas tout de suite marché, mais au final, ça finit par marcher. Oui, là, on est dans de l'agroécologie. On met des plantes, une diversité de plantes. Cette diversité de plantes va permettre de limiter le salissement. Il faut avoir des champs relativement propres, mais ça gère bien le salissement. En plus, ces plantes-là nourrissent le sol, développent des vers de terre, entretiennent les mycorhizes. On n'a pas besoin de biner, on n'a pas besoin de traiter. Et en plus, ces plantes-là nous permettent même de faire des leurres par rapport aux insectes ravageurs. Et ça, c'était la bonne surprise du colza associé. On n'attendait pas cela. Mais en fait, à partir du moment où on a eu du sarrasin, des févroles qui ont dépassé les colzas, eh bien, on a bien géré les grosses altises, on a bien géré les charançons du bourgeon terminal. Et en fait, là, on est passé d'une situation où on avait tendance à mettre des insecticides pour éviter les insectes d'automne sur les colzas, à une situation où on attire les insectes et on nourrit même beaucoup mieux les pollinisateurs. Donc, vous voyez que le changement, et donc là, on a un aspect complètement différent. À partir du moment où vous mettez même un peu de sarrasin ou un peu de lin dans le mélange, vous allez avoir des graines au sol qui vont être très favorables pour le petit gibier, etc. Donc l'équation est en train de s'étendre dans tous les sens. On est bien dans un scénario d'agroécologie. Vous avez dit que ça allait se compliquer. Alors, l'élevage pâturant, on a tendance à dire, si on veut que développer l'agroécologie, il faut remettre de l'élevage dans les exploitations et de l'élevage pâturant. À votre avis, là, est-ce qu'on est en scénario agroécologique? Oui. Non. Oui. Alors, j'ai pris deux exemples. J'ai pris un premier exemple qui vient du sud de la France. Là, on n'y est certainement pas. Là, on est à une prairie, on a des animaux, on est en surpâturage, on a des animaux qui peinent. Là, on a une source de fertilité et de carbone. Et ici, on a toutes les déjections qui sont ici, on a certainement de la pollution. On a une image qui est relativement bucolique, surtout pour le grand public, mais on a de la misère en chaîne. De la misère en chaîne. La misère pour le sol. Je peux vous garantir, ce n'est pas comme ça que vous allez développer des sols performants, même si vous ne les travaillez pas, même si vous ne mettez pas de phyto, même si vous ne mettez pas d'engrais. C'est la misère pour le sol. C'est la misère pour les animaux. C'est la misère pour l'environnement aussi, parce que vous avez une pollution ponctuelle qui est plus importante alors que vous ne la visualisez pas. Et c'est la misère pour l'agriculteur. Donc ça, c'est, on est dans un scénario complètement vicieux où on est en train de s'enterrer. Ici, là, on est en train de faire pâturer des moutons entre un blé et un maïs dans un couvert végétal de 8 tonnes de matière sèche. Aujourd'hui, on produit plus de matière sèche sur la ferme entre deux cultures que les prairies moutons en produisent en continu. Ben oui, on est dans un processus agroécologique parce que c'est les moutons qui détruisent le couvert. Vous vous rendez compte? C'est même pas un rôle au FACA. C'est bien sûr pas du glyphosate. Au lieu de dépenser du fuel pour détruire un couvert, de l'énergie, là, je transforme un couvert vert en ammonitrate noir grâce à des moutons blancs. Vous voyez, ça commence à... Et tout ça, c'est légal. Hein. Non, mais c'est légal. J'ai même
Je vais même doper l'activité biologique de mon sol parce que j'abaisse le C sur N de ma végétation et je permets de recycler encore plus rapidement. Je vois mes mycorhizes monter. Je vois mes limaces diminuer parce que j'ai des moutons. L'autre jour, j'ai observé la parcelle. Les rapaces ont même compris le scénario. En fait, dès qu'on bouge les moutons, les rapaces viennent juste derrière et ils suivent les moutons un petit carré. Et c'est des petits carrés de 2500 m². Les rapaces suivent derrière. Tous les 4 jours, on bouge les moutons. Les rapaces arrivent, ils nettoient le terrain. Donc, on est vraiment dans un système agroécologique. Et je vais rejoindre Gilles aussi sur la qualité alimentaire. Parce que les aliments que l'on donne comme ça, à l'automne, ont une densité minérale de loin largement supérieure aux aliments qu'on va faire au printemps et même les aliments qu'on va stocker. Parce qu'au printemps, les plantes ont tendance à stocker du carbone. En fait, ils font beaucoup de photosynthèse et ils diluent les minéraux qui les contiennent. Alors qu'à l'automne, ben, ils se renforcent pour passer l'hiver et la densité minérale est beaucoup plus forte. Donc, ce qu'on est en train de manger... Ouais. Ce que les moutons sont en train de manger, c'est des mécaliments. Ah, j'ai un petit problème avec la technologie. Donc, on s'est emballé un peu avec les moutons, mais vous voyez là, vous avez deux situations complètement différentes. C'est toujours de l'élevage pâturant, mais vous allez obtenir des résultats complètement différents. Je vous emmène encore plus loin. L'agriculture de précision. Le big data. Est-ce qu'on est dans l'agroécologie avec ça? Là, je pense qu'on est à peu près d'accord. On a plutôt tendance à s'en éloigner. On a tendance à faire confiance à des algorithmes, on a tendance à faire confiance à des calculs, on a tendance à faire confiance à des moyennes, mais en fait, le vivant ne fonctionne pas comme ça. Et il y a des moyens beaucoup plus simples d'homogénéiser les choses que de faire confiance à ce système-là. Alors, bien entendu, on peut capter des informations, je ne suis pas contre des cartes de rendement, je ne suis pas contre le big data... On peut capter des informations qu'on peut mettre dans notre panel de réflexion et utiliser ça comme un outil. Tout ce que je vous ai présenté, ce sont des outils. Mais des outils qu'il faut mettre de manière honnête dans le système. Mais vouloir s'appuyer exclusivement là-dessus, ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas un high-tech, je suis plutôt un low-tech. Low-tech, L-O-W. Je vais vous citer un exemple de low-tech que j'adore. Vous prenez une parcelle de céréales post-récolte. Généralement, si on a appliqué de l'azote de manière relativement homogène, que le rendement est hétérogène, le niveau d'azote va être très hétérogène. Si on fait une cartographie de l'azote post-récolte dans une parcelle, souvent ça va être un petit peu en dents de scie, un petit peu partout. Vous plantez un couvert multi-espèces dans cette parcelle-là. Ben, où il y a de l'azote, où vous avez redoublé, votre couvert de crucifère va être plus beau, le tournesol sera plus beau. Où ça manque d'azote, c'est les légumineuses qui vont être plus beaux, plus belles. On revient 2 mois et demi plus tard. Le niveau d'azote dans votre sol, à travers votre parcelle, sera entre 20 et 30 unités d'azote. Je peux vous parier que ce ne sera pas plus gros comme écart. On aura 10 unités d'azote d'écart dans la totalité de votre parcelle. Qu'elle fasse 2 hectares, 3, 5 ou 50. Ce sera 10 unités d'azote si vous avez réussi votre couvert d'écart. Et un niveau très faible. Donc là, c'est prédictible. Et le niveau d'azote contenu dans votre couvert... Eh bien, il sera à peu près égal aussi. Vous aurez des plantes différentes. Où il y avait de l'azote, c'est les crucifères, c'est les composés, c'est les qui ont poussé. Sinon, c'est les légumineuses où ça avait manqué. Mais votre niveau d'azote dans la végétation sera à peu près homogène. C'est bien le low-tech. Hein, quand on sait le gérer, ça marche tout seul. Donc, oui, ça, c'est des outils, mais ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. On peut simplifier la vie. Association de culture. Je ne vais pas trop revenir sur ce qu'on dit, mais... Mes amis canadiennes, oui. Et il faut qu'on aille beaucoup plus là-dedans. On a été très bon dans la limitation du travail du sol, mais il faut vraiment qu'on devienne très bon dans les associations de culture. Alors le colza associé, le colza sarrasin, on a ressemé des pois sur du sarrasin l'année dernière, on a ramassé du pois sarrasin, on a essayé d'imiter votre fameux bio-là canadien, mais ça c'est plus... les gars du centre du Canada, parce que c'est grand quand même chez vous, mais on commence à y arriver, on suit. Hein. Et là, on doit pouvoir arriver à récolter 2, voire 3, voire 4 cultures ensemble. J'ai essayé 4 l'année dernière, ça n'a pas marché, c'est le broyeur qui a récolté. Mais ce n'est pas grave, il faut qu'on s'aventure là-dedans, et il y a vraiment plein de nouveautés
et je pense qu'on sera très rassurés. Je vais finir par ça. C'est le semis précoce de céréales. Là, on est encore, pour moi, dans une ouverture agroécologique très forte. Très forte à plein de points de vue. C'est une vieille idée. C'est Marc Bonfils, dans les années 80, qui avait dit qu'il faut semer de manière précoce. Et il avait tout à fait raison. Il avait tout à fait raison parce que si on veut capter suffisamment d'éléments minéraux et entre autres d'azote et de potasse pour que nos céréales démarrent de manière autonome au printemps et puissent survivre en attendant la minéralisation du sol, parce qu'elles sont complètement décalées par rapport à nos systèmes, ben il faut qu'on stocke. Donc il faut semer de manière assez précoce. Par contre, ce que Bonfils ne savait pas, ben c'était comment on pouvait gérer à côté. Lui, il envisageait du binage. Bon, c'était un petit peu... Aujourd'hui, avec l'expérience du colza associé, vous voyez comment les sauges vont s'enchaîner, on commence à savoir comment on va pouvoir faire les choses. Il va falloir qu'on apprenne à gérer l'affaire. C'est nos amis suisses qui ont bien avancé sur la question, et c'est pour ça que c'est écrit en allemand, en Wintergerste. Ça, c'est une parcelle d'orge en Suisse, et la photo a été prise le 20 septembre. Le 20 septembre, c'est de l'orge d'hiver. Elle a été semée le 4 août. Le 4 août. En fait, les Suisses vont la semer le 4 août parce qu'ils ont ramassé la févrole le 3 août. La date de semis de l'orge, c'est la date de récolte du précédent, qui est la févrole. S'ils récoltent le 15, ils sèment le 16. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous garantis, la Suisse, c'est pas tellement loin de chez nous. On est quand même décalé de 2 mois par rapport à une date de semis classique d'orge, ensuite. En plus, on va récupérer les repousses de févrole. Et là, quand on arrive au 20 septembre, qu'est-ce qu'on fait en Suisse? On broie. En fait, ils rabaissent toute l'orge, ils rabaissent toute la févrole dans la parcelle, ce qui va remettre des résidus et renourrir l'activité biologique tout en couvrant le sol pour limiter le salissement. Et en fait, comme on est complètement décalé par rapport au cycle de l'orge, on n'a même pas de problème de puceron, ce qui est surprenant, mais on n'a même pas de problème de puceron parce qu'on est décalé par rapport au cycle des ravageurs. Et puis, quand on arrive à la récolte, ben, c'est pas si dégueulasse que ça, sans herbicides, et avec 70 unités d'azote seulement pour de l'orge. C'est tout à fait raisonnable, et c'est des choses qui sont aujourd'hui atteignables. Donc nous, on a des possibilités. Je pense que derrière pommes de terre, derrière maïs en silage ou derrière tournesol, il y a des ouvertures intéressantes. Ça m'amène à ma conclusion. Oui, aujourd'hui, tout ce qu'on a construit ces 20 dernières années a permis de créer une énorme dynamique. Une énorme dynamique qui, sans qu'on s'en rende compte, commence à faire écho un petit peu partout. Bah déjà, se retrouver autant qu'on est aujourd'hui dans cette salle, c'est génial. Mais faire écho dans les champs, parce que lorsque vous sillonnez la France, et je m'excuse, j'ai un bilan carbone au niveau de ma voiture qui est peut-être pas... Je consomme 4000 litres par an, mais comme je ne consomme plus sur la ferme, je me la joue à la Yann Arthus Bertrand, ça va à peu près. Non, mais j'ai fait les calculs dans les deux sens, je suis à peu près équilibré. Je ne compte pas ceux que des agriculteurs que je rencontre qui ne consomment plus. Hein. Mais oui, il y a une vraie dynamique. Quand vous voyez les parcelles, il y a beaucoup de labour encore, soit. Mais il y a une énorme dynamique par rapport à la couverture du sol, par rapport à l'agroécologie. Il y a des choses qui changent. Ça fait écho dans les vergers, ça fait écho dans les vignes, ça fait écho chez les patatiers. On a de l'expérience aussi en agroforesterie. On commence à penser à des systèmes intégrés complètement loufoques, mais qui ne sont pas loufoques. Imaginez désherber votre maïs au canard. Alors ça, je l'ai rajouté pour Jill, parce que quand elle vient en France, elle aime bien manger du canard. Donc c'est notre désherbant maïs, le canard. Hein, c'est bien. Et c'est des bons canards, hein, qu'on mangeait des couverts végétaux. Tu vois, avant que ton couvert il soit... Et là, on va trouver du maïs à 60 pouces, là, il va trouver sa place. C'est les canards, la prochaine fois au Québec, qu'il faut emmener. Vous allez nous en produire du foie gras. Hein. Ce sera moins compliqué que de le passer à la douane et de se payer 400 $ d'amende quand tu arrives à la douane avec tes boîtes de foie gras. On modifie aussi du matériel. Il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en route. Quoi. Alors, il y a les constructeurs qui proposent, mais quand on voit deux Lascar, enfin ces trois Lascar du Gers, en l'espace de 4-5 ans, complètement refaire un Max Emerge, alors que John Deere, ils ont 50 ingénieurs depuis 50 ans qui réfléchissent au Max Emerge,
Alors les premiers, là, à 50 ans, ils avaient trouvé très vite. Hein. Mais là, pour l'instant, il y a besoin d'un petit peu d'évolution. Et c'est tout qui va bouger. C'est pas que l'agriculture qui va bouger, c'est tout qui va bouger. Et en fait, si on veut vraiment réussir cette révolution-là, c'est introduire et continuer d'introduire et de rentrer l'écologie dans nos systèmes. C'est l'écologie qui est l'intrant de demain en agriculture. Alors c'est là qu'il va falloir qu'on se démystifie par rapport au mot écologie, quoi. Hein, là, on va des fois avoir quelques soucis, mais c'est l'écologie appliquée, l'agriculture. C'est de l'écologie appliquée. Alors, il va falloir être honnête aussi, c'est que l'agriculture ne sera pas des milieux naturels. Ça restera un milieu imposé. Donc, il n'y aura pas d'agriculture sans impact non plus. Vous voyez, mais jusqu'à quel niveau on arrive à pousser l'écologie dans un milieu agricole? Et en fait, je voulais terminer par ces deux points-là. Je suis assez quand même content, malgré que ce sont capables de faire nos amis brésiliens ou nos amis canadiens ou nos amis nord-américains. Je pense qu'au niveau français, on est pas mal situé. On est pas mal situé au niveau agroécologie. Peut-être pas sur le radar du SMI direct, peut-être pas sur le radar du SMI direct, mais sur les radars agroécologie, je pense qu'on est très bien situé là-dessus. Et qu'on a les bons moyens de continuer à décoller. Alors j'ai associé nos amis suisses avec, parce qu'il faut compter sur eux. On a une compétition positive, je ne sais pas qui est la légumineuse ou la crucifère des deux, mais il ne faut pas les lâcher, parce qu'ils avancent vite, et donc faut continuer à les suivre. Heureusement que ce n'est pas un grand pays au niveau surface, parce que ça fait longtemps qu'ils nous auraient écrasés. Mais il faut qu'on continue de les suivre. Et en conclusion, en clair, on est contraint à intensifier la photosynthèse. On est contraint d'intensifier la photosynthèse. Il n'y a pas d'autre solution. Intensifier la photosynthèse. Alors, intensifier la photosynthèse pour produire de la nourriture, ça, on peut être à peu près tous d'accord là-dessus. Multiplier des semences. Alors ça, on a un petit peu de mal, mais l'intrant de demain, ou le deuxième intrant après l'écologie, ce sera des graines. Parce que si on veut récolter quelque chose, ou si on veut des couverts, ou si on veut des plantes multi-espèces, etc., etc., il va nous falloir des graines. Quand vous voyez de la févrole, par exemple, à 200 kg l'hectare, si on sème un champ en plein, ben, il faut quand même 5% de la surface de la ferme en févrole. Alors on fait mieux avec de la moutarde. Avec un hectare, on arrive à semer à peu près 1000 hectares. Mais il va nous falloir des graines. Et donc ça va prendre de la surface. Mais ça va apporter de la diversité dans les champs. Produire du fourrage local. Vous voyez ce que je veux dire par de fourrage local? Alors on peut discuter les plants protéines et tout ça, mais on s'en fout des plants protéines. Il faut produire du fourrage local. Il faut remettre les animaux où ils doivent être. Et les animaux ne doivent pas être un objectif de production, c'est un outil dans le système agroécologique. Quand vous voyez mes moutons, là, un coup j'ai amené des éleveurs. Je dis, qu'est-ce que vous voyez dans ce champ-là? Ben, des moutons qui mangent des couverts, ouais. Ben, je dis, moi, je vois pas de hangar, pas de chargeuse, pas de presse, pas de silo d'ensilage, pas d'épandeur à fumier, pas de tas de fumier sur le bord d'un champ qui est en train de couler sous la pluie. Enfin, vous voyez, tout ça, et ben, c'est du fourrage local et archi-local. Fournir du carburant pour la vie du sol. Alors, je suis désolé, mais vers de terre consomment du carbone. Ils rejettent du CO2. Ils rejettent du CO2, hein. Peut-être plus que mon tracteur. Mais là, on doit faire quand même une énorme différence. Il y a une arnaque sur le CO2, c'est qu'on a mélangé les types de CO2. Le CO2 qu'émettent les voitures, les camions, les avions, c'est du CO2 fossile qui vient augmenter le système. Le CO2 qu'émettent mes vers de terre, c'est du CO2 vert. C'est du bio-CO2. C'est du CO2 qui a été capté par la photosynthèse. C'est du CO2 qui circule. C'est pas du CO2 qui va augmenter l'effet serre, puisqu'il circule. On a bien deux types de CO2. C'est pareil, quand nos vaches mangent, respirent, rôtent, pètent, c'est aussi du CO2, du méthane, qui est circulé, ce n'est pas du fossile. Donc là, il y a une arnaque au CO2 et il y a une arnaque au méthane qu'il faut dénoncer. Alimenter les écosystèmes environnants? Bah oui, les abeilles. J'étais récemment avec un scientifique sur l'Institut de l'abeille. Il me dit, néonicotinoïdes? Oui, on a vu qu'il y avait un impact. Ça. Mais ce n'est pas en supprimant les néonicotinoïdes qu'on va régler le problème de l'abeille en France. C'est le problème des alimentés.
Ils sont alimentés par du colza au printemps, par du tournesol ou du maïs à côté, de temps en temps par de la forêt, et aussi beaucoup par de sucre. Merci les betteraviers. Et donc, si on met beaucoup de fleurs dans le système, si on met beaucoup d'alimentation et des relais, bah, ça se passera beaucoup mieux. Et la période estivale, il y a une période de grosse carence alimentaire pour les abeilles. Donc, on a du travail là-dessus. Alors, écosystème environnant, c'est pas que les abeilles. Le petit gibier, on a aussi du chevreuil. Alors, dans cela, j'ai aussi des sangliers. Bon. Tu connais Noël, la réponse de mon père, c'est une grosse carence en plomb. Hein, on y travaille. Une grosse carence en plomb. Alors, il faudra que Jill m'explique comment on va régler la carence en plomb, mais pour l'instant, on y travaille. Produire de l'énergie renouvelable. Produire de l'énergie renouvelable. Hein, quand je vois les programmes qui sont en train de se dire « Allez, on sera autonome en énergie. On nous pousse toujours les politiques dans 20 ans, dans 30 ans. De toute façon, il n'y aura personne pour vérifier. » Non, la seule énergie renouvelable qu'on peut produire, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. C'est pas le photovoltaïque ou le solaire. C'est l'énergie gratuite, intermittente, qui pose un gros problème de stockage. L'agriculture, c'est vraiment du renouvelable, fait avec du verre. C'est pas des panneaux chinois, des panneaux solaires chinois. C'est des panneaux solaires verts que vous construisez chez vous et qui sont recyclés tout le temps chez vous, avec de l'énergie qu'on peut stocker. C'est quand même très différent comme projet. Ensuite, fournir des biomatériaux. Bah oui, si demain on est obligé de construire des meubles en biomasse, si on est obligé de construire des maisons en paille, si on est obligé d'utiliser des biomatériaux, ça viendra peut-être un peu de la forêt, mais ça viendra aussi de l'agriculture. Donc on a d'énormes marchés devant nous. Alimenter la chimie verte, là encore, lorsqu'on va vouloir extraire quelques molécules un petit peu spécifiques qu'on va pouvoir utiliser, ben, ma foi, on connaît bien les pyréthrinoïdes, mais il va y avoir plein de molécules qu'on va aller chercher comme ça. Eh bien, ce sera la chimie verte. On commence à le faire avec les purins d'ortie, les produits fermentés, etc. C'est de la chimie verte. Donc là, il va falloir des parcelles qui sont dédiées à ça. Et en fait, quand on y regarde, bon, l'agriculture qui est souvent présentée comme la responsable de toutes les difficultés. Alors ce matin, en pensant à la conférence de cet après-midi, j'étais en train d'observer le ciel. Imaginez, je venais de l'ouest, je vois 50 avions dans le ciel, le ciel était bien bleu, en arrivant sur Paris, tu te dis, puis tu as les champs de chaque côté, quoi. Puis tu vois le 70 km/h quand tu arrives, parce qu'on te dit, tu arrives et là, cause pollution, machin. A dit, mais on va finir par nous faire croire que c'est la campagne qui est quand même relativement verte, qui est la plus polluée, à côté de la ville, qui sont indemnes. Quand il n'y a plus un coup de vent, on suffoque en ville quand même. Donc il y a un moment, il va bien falloir remettre les choses à leur place. Remettre les choses à leur place. Et donc, je m'excuse, séquestrer du carbone. J'avais oublié celui-là. Vous avez reçu lors de vos travaux Stéphane Le Foll, je le remercie pour le 4 pour 1000. Je remercie Odette de lui avoir montré un ver de terre, ça l'a transformé un jour, et il n'arrête pas d'en parler. Reviens quand tu veux, croise nos ministres de l'Agriculture quand tu veux, tu as un effet formidable sur eux. Hein. Et donc non, il n'arrête pas d'en parler, ouais, séquestrer du carbone. Mais vous voyez que séquestrer du carbone, encore une fois, j'en viens à l'agroécologie pour conclure, ce ne sera pas l'objectif, c'est la conséquence positive, bordel. De tout ce changement-là. C'est simplement la conséquence positive. Si demain, on oriente les systèmes pour séquestrer le carbone, mais on n'avancera pas. Comme on n'a pas avancé en 30 ans pour arrêter les nitrates en Bretagne, 40 ans maintenant. Voilà. Ce que je voulais vous apporter cet après-midi, je vous remercie, puis on va pouvoir passer aux questions. Les intervenants. Est-ce qu'on a des questions dans le public ? On va se donner un petit quart d'heure de questions-réponses. Alors, qui se lance pour une première question ? Ah, Baptiste, je crois que tu as une question. On a
On n'a pas eu le plaisir d'avoir le ministre avec nous pour ces débats, mais on aurait peut-être pu lui poser la question, ou on va la poser aux intervenants. Est-ce qu'on va pouvoir garder une petite partie de glyphosate pour, comme outil dans notre système encore un moment? Oui, c'est ça. Tu veux que je réponde à ça? Alors, ouais, bien entendu, on n'a pas évoqué, parce qu'on était plus dans les conclusions, les questions glyphosate. Alors, moi, je vais dire, je suis assez confiant. Assez confiant. Tu as besoin de traduction, Jean-François? Je parle de glyphosate, il met les écouteurs. Oh là, je vais finir. Je suis assez confiant sur la question, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, pour différentes choses. La première chose, c'est quand même, quand on voit au niveau du président, il a quand même évoqué, voilà un an et demi, l'agriculture de conservation des sols. Donc l'information y est remontée. Hein. Donc il mesure bien, ou il y a des gens qui mesurent bien la réalité des choses, parce qu'il y a le niveau communication, le niveau politique, et puis après il y a le niveau de réalité. Le gouvernement est aussi d'une certaine manière piégé avec la SNCF, parce que l'entretien des rails lui pose un gros souci, lui aussi, parce que tant que c'était une mesure qu'on pouvait passer aux paysans, et puis les paysans vont se débrouiller, puis tant pis, tant mieux, ça ne nous gêne pas, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a pas de réelle solution pour entretenir les rails français, ou les rails européens, ou les rails sont désherbants. On est passé à 20 ans d'atrazine, 20 ans de glyphosate, alors ce n'est pas le meilleur moyen, certes, mais on a des réalités d'utilisation. Donc ça me fait dire qu'il y aura forcément des ouvertures, et c'est bien qu'on ait tout ce remue-ménage, parce que ça apportera une certaine filtration, des ouvertures, et ça peut même faire naître l'agriculture de conservation. Ensuite, ça nous force à être beaucoup plus malins, nous aussi. Donc ça, c'est un point que je vais mettre positif, même si ça m'ennuie à être obligé d'être plus malin plus vite, mais c'est un point positif. Et puis après, quand je regarde les chiffres, on a à peu près au niveau mondial 900 et quelques millions de tonnes de glyphosate utilisées au niveau mondial. Vu la taille du marché, ça m'étonnerait bien qu'il n'y ait pas des gens qui trouvent des solutions. On le voit avec le désherbage électrique, qui est plus favorable à la destruction des couverts que la végétation qu'il y a dans le fond du sol. On l'a vu arriver récemment, il y avait une publication sur des utilisations de sucre. Ça, c'est l'université de Göttingen en Allemagne qui a publié ça, donc avec une fonction très proche du glyphosate, mais c'est des cyanobactéries qui peuvent te faire un produit qui est à peu près similaire. Donc, ça sera plus Monsanto, ça sera plus autre chose, mais en fait, tous ceux qui me demandent aujourd'hui, est-ce qu'il faut arrêter parce qu'on risque de nous supprimer le glyphosate? Mais non, au contraire, continuons et continuons de travailler ensemble. Pour être mieux, être plus fort, on n'a pas raison de s'arrêter. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. On va prendre les deux d'un coup, comme ça on... Oui, c'était une question à M. Thomas. Je voulais savoir comment on gère la contradiction entre le besoin de remettre du carbone dans les sols et ce dont vous parliez, le développement possible de tout ce qui est biomasse d'un point de vue énergétique, utiliser les couverts comme production de, par exemple, de paillettes ou de choses comme ça. Et la deuxième question. Il faudra que vous posiez des questions à mes copines, hein, parce que. Alors moi, je suis. Ils ont l'air un peu tranquilles. Producteur éleveur en bio. J'ai des parcelles dans la bourre depuis 35 ans. Voilà. Donc moi, j'ai du mal à entendre parler de vivant et de glyphosate. Première question. Deuxième question, dépendance à l'azote. On parle de carbone et de bilan carbone et de solutions. Enfin voilà, on sait que l'azote importé en agriculture reste issu de production carbonée, quoi, quand même.
Du coup, par rapport à la diapo sur le travail du sol, en fait, voilà. Donc, on est en bio, donc on travaille forcément superficiellement les sols. Et du coup, ça nous permet quand même de nous passer à la fois du glyphosate et à la fois de l'apport d'azote extérieur, puisqu'on fait minéraliser à des moments donnés précis, quoi. Voilà, c'était les remarques que j'avais par rapport à l'intervention et du coup, éclaircissement par rapport à ça vis-à-vis du vivant, quoi. Voilà. Je me permettre par rapport à le deuxième constat. En fait, il faut qu'on refasse un petit peu d'histoire. Ça fait 8000 ans qu'on fait de l'agriculture et ça fait à peu près 8000 ans qu'on essaye de trouver de la fertilité pour que ça pousse bien. Alors, la notion de durabilité a bougé récemment parce qu'on a suffisamment à manger, mais il faut bien comprendre que la notion de durabilité, ne serait-ce que pour mes grands-parents, et la majorité de nos grands-parents étaient complètement différentes. Hein. Ma grand-mère me disait, tu sais, mon petit bonhomme, à partir du moment où on avait des patates pour passer l'hiver, c'était ça, notre durabilité. La première chose que l'homme a trouvé pour aller chercher de la fertilité, c'est le feu. Le feu. Alors, il y a encore certains qui le pratiquent. Vous avez vu ce qui s'est arrivé en Corse dernièrement. On pratique encore l'écobuage en Corse. Il y a quelques difficultés, mais c'est une minéralisation hyper rapide pour aller chercher de la fertilité. Parce que derrière le feu, ça pousse mieux. Et en fait, on a fait ça. Les Australiens, les premiers colons australiens, qui n'étaient pas les Anglais, qui ont été les aborigènes, ont complètement détruit la végétation australienne grâce au feu. Ils ont chassé avec le feu. Et si l'Australie est un désert, c'est en partie grâce aux aborigènes. Et alors on a tendance à penser autrement, mais si. Deuxième réflexe ou astuce que les gens ont trouvé pour trouver de la fertilité dans le sol, c'est le travail du sol. Parce qu'à partir du moment où on travaille le sol, on détruit tout un agencement d'organismes biologiques qui ont été décrits par mes collègues. Et en fait, c'est l'effondrement d'une partie de cette activité biologique qui va libérer beaucoup de fertilité et qui fait que ça pousse mieux. Et en fait, on est ancré au travail du sol parce qu'on va chercher de la fertilité grâce au travail du sol. Et on a accepté les inconvénients du travail du sol. Alors le premier, ce n'est pas l'érosion. Le premier gros inconvénient du travail du sol, c'est l'énergie, le labeur. C'est pour ça que ça s'appelle labour, le labeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez tranquille de travailler son champ dans une cabine de tracteur. En plus, comme on a le RTK, on peut regarder les vidéos sympas de nos collègues sur Internet. C'est nickel, on passe des belles journées. Et en fait, on va supposer que les gars... Il faut supprimer les smartphones dans les tracteurs. On va supposer que les gars vont travailler parce qu'ils peuvent se faire une belle journée de formation sur leur smartphone. Donc, non, parce que le travail du sol est très minéralisateur. C'est pour ça qu'on est ancré là-dessus. Alors après, on peut aller vers des systèmes où on est moins dépendant, voire plus dépendant de l'azote, mais il va falloir reconstruire. Et dans la reconstruction, bah des fois, c'est difficile de se passer des intrants. Et c'est là que peut jouer le rôle le glyphosate, c'est là que peut jouer le rôle de la fertilisation, c'est là que peut jouer des engrais pour aider à reconstruire le système et transiter vers quelque chose qui va mieux. Mais dans un sol qui fonctionne bien... Dans un cas, sur la moitié de la ferme qui était en labour depuis 35 ans, et c'est pas moi, hein, c'est le mec à qui on a repris, on redémarre à 4% de matière organique. Donc en fait, nous, on n'a pas de souci de reconstruire puisque c'est déjà construit aujourd'hui. Voilà, c'était le... Peut-être, mais j'ai vu plein d'autres, si tu veux, j'ai vu plein d'autres situations où c'était nécessaire de reconstruire. Hein, et si tu veux, là encore, il faut qu'on arrête de stigmatiser t'es en AB, t'es en AC. T'es pro, tu vois, des sols qui vont mieux. Et moi, je préfère qu'on reste là-dessus, quels que soient les outils et quelle que soit la sensibilité. Et à partir du moment où on est là-dessus et que moi, je suis capable d'accepter que toi, dans ta transition, tu continues de travailler et tu ne mets pas de phyto et tu ne mets pas d'engrais, ce qui est très bien pour ça, et que toi, tu es capable d'accepter que moi, je continue de mettre un peu d'engrais et de glyphosate dans mon système pour transiter, tu verras, on ira très loin et ensemble, on ira beaucoup mieux. J'en viens à la deuxième question sur le carbone.
Effectivement, prendre du carbone pour nourrir un méthaniseur, par exemple, ou nourrir des animaux, c'est souvent la question qu'on me dit. Oui, on va consommer des quantités de carbone qui sont assez conséquentes. Un animal, par exemple, va consommer environ 70 à 80% du carbone consommé, va rejeter 70 à 80% du carbone qu'il ingère. Donc c'est du carbone qui repart. Alors on pourrait se dire, eh bien, ma foi, on a une perte de carbone parce qu'on est devenu très carboné dans notre tête, quoi. Mais en fait, en diminuant le C sur N de la matière organique qu'on remet au sol, on appuie sur l'accélérateur de la fertilité, du recyclage de la fertilité. L'arrêt du travail du sol, c'est la question d'avant, c'est une diminution du recyclage de la fertilité. Les couverts végétaux, c'est aussi un freinage des recyclages de la fertilité. On stocke. Les animaux permettent d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur. Donc, ce n'est pas un inconvénient. À partir du moment où on continue à faire beaucoup plus de photosynthèse, parce que je t'ai parlé de 7-8 tonnes de matière sèche en surface, mais on a aussi les racines, on a aussi les exudats racinaires, on a aussi les mycorhizes qui viennent se brancher là-dessus. On a des quantités de sucre organique et de matière organique qui sont réinjectées dans le sol et qui vont nourrir tout le système. Donc, il y a un moment, il faut continuer à être des producteurs, de faire de l'agriculture. Et de stocker du carbone, ça n'amène pas à augmenter même les taux de matière organique. Il y a quelques études qui ont été faites, par exemple... Thierry Tétu, université du Maine à Rouen. Amiens, voilà. Thierry Tétu, Amiens, qui a montré très nettement si on n'avait pas d'azote pour rentrer du carbone dans le sol, ça ne marchait pas. Donc, il y a un moment donné, il faut rééquilibrer l'alimentation du sol. Et aujourd'hui, un agriculteur qui se respecte, il a trois choses à alimenter. Son sol, ses animaux, hein, et peut-être des fois, il y en a qui ont des méthaniseurs, mais ça fonctionne exactement de la même manière, avec la même ration. Il faut qu'on équilibre un peu tout ça pour que ça fonctionne bien. Odette, est-ce qu'il y a ces débats et ces sujets aussi, et puis Gilles aussi, de l'autre côté de l'Atlantique? On a exactement les mêmes débats. Et je ne répéterai pas ce que tu as dit, tout est là. Ce que je trouve dommage dans ce débat-là du biologique par rapport à une agriculture de conservation, c'est toujours de pointer ce que l'autre fait. J'ai absolument aucun problème avec des producteurs en agriculture biologique. Mon problème, il est beaucoup dans la transition qu'on exige. Mon problème, il est dans... croire que des aliments produits après 3 ans de transition, ça justifie une qualité d'aliment. Je pense que les plus beaux sols qu'on a actuellement, c'est des sols qui sont en conservation des sols, qui sont en santé, mais dont la transition est en place depuis 20-25 ans. J'ai beaucoup de difficultés avec d'agriculture biologique après 3 ans de non-utilisation de produits dits chimiques. Donc, oui, on a ces débats-là. Oui, il faut travailler là-dessus. Moi, actuellement, quand j'écoute tout ça, quand je regarde comment ça va, je pense qu'actuellement, on a des débats qui sont beaucoup centrés sur le non parce que et non sur le oui si on travaille ensemble. Et c'est ce qui m'embête le plus actuellement. C'est non au glyphosate parce que. Il y a une étude hier matin qui est sortie chez nous qui parlait que 95% des cours d'eau au Québec sont contaminés au glyphosate. Mais quand on fait la liste des contaminants, bien, le glyphosate arrive en 8e ou 9e position par rapport à l'atrazine, par rapport au dicamba, par rapport à tout ça. Et les cours d'eau sont autant contaminés avec ces autres éléments-là. Alors, je n'aime pas cette attitude dans laquelle on se met à dire non, il ne faut pas, alors qu'il faut, oui, faire des choses, mais il faut les faire ensemble, il faut s'en parler et il faut reconnaître les efforts de tout le monde dans ce système qu'on est en train de remettre en place. Jill, a word about this
Well, this is. I work with a lot of organic farmers. But I'm inclusive. I think that I'm like Odette in that way. I think that we bring all farmers to the fold. And in the case of glyphosate, from a microbial perspective, I can tell you that and from a human health perspective, that now if you're worried that you have contamination by glyphosate, you can take humic acids in a pill form, and it will actually bind to the glyphosate and remove it from your system. In our healthy soil systems, we also can do the same thing. We have a lot of organic matter. We're producing a lot of humic acids. We're binding it. The microbes are degrading it. And in healthy soils, we have the situation where we can actually decontaminate, not just from glyphosate, but also for many other things. And it's like Odette said, what is the key contaminant here? Everybody talks about glyphosate. Nobody's talking about chemotherapy drugs in the water. Nobody's talking about Tylenol. Nobody's talking about Viagra or estrogen. We need to think about them as well, and we need to decontaminate our water with those things also. It's not just farmers. And actually, I'm really tired of everybody blaming farmers for everything. It's not true. And so in this case too, and then I'll address the carbon part of this. When we start adding animals, we start having natural soils. The other thing that's beautiful about all this is that we start having microbes that use things like methane and use some of the contaminants and actually convert them into chemicals in the soil that we can use for plants to uptake. This is all around. Agriculture is really good for the environment when we do it in a living system. So it's my 10 cents worth. Dernière question, et puis on va passer à la prochaine table ronde. Merci tout le monde. Thanks everybody. J'ai appris plein de choses depuis 4 jours, mais vraiment merci tout le monde. Mais je trouve qu'il y a un peu an elephant in the room, un éléphant dans la chambre, si on peut dire ça, dans la pièce. Et donc la question est, quand est-ce que vous pensez tous les trois que les externalités positives et négatives vont se refléter dans le prix de la nourriture? Donc, vous avez compris la question? Quand est-ce que le prix va refléter les choses positives et négatives, peut-être les nutriments dans l'alimentation, mais en fait, tout ce qui se passe au niveau de la production, quand est-ce que le petit agriculteur, quand est-ce qu'on va essayer de niveler un petit peu le terrain de jeu pour que les prix reflètent tout ça? Merci. C'est-à-dire la question des valeurs dans l'assiette, est-ce qu'elles vont pouvoir être conservées du sol vivant jusqu'au... I'll start by answering that question. Every time I go to a meeting with... various organizations, including the EU, the first thing that they say about food is food has to be cheaper to feed everyone. That is, well, can I say bad words? That's bullshit. It's not true. We need food to be more expensive. As farmers, and as farmers, we provide a happy factor. People love to drive by our fields. They feel good. They love it. We're providing an opportunity to clean up the streams. We're going to sequester carbon and help with climate change. We need to have an appropriate price for food. But I think the other thing is if I think about it in the United States and I think about some of the quality of the food that goes into, quality of the grains that goes into our food, well, why would I pay for that? I mean, it's not very good. And I'm paying the food companies to fortify the food because I'm not producing good enough food. I think if we want a better food price, then, and this includes organic farmers, by the way, we have to have high quality food. We're in the process right now with the Real Food Campaign in the United States of testing the food to see how good it really is.
so that consumers can make an informed decision on food. And if they want to pay for really quality food, then they can. If they want to pay for rubbish, they can do that too. It's a choice, and we have to make choices. Ce que je rajouterais à ce que Jill vient de dire, c'est qu'on veut avoir des aliments de qualité. On prétend beaucoup vouloir avoir quelque chose de grande qualité, mais en même temps, on veut que notre nourriture soit internationale. Si on veut augmenter vraiment, si on veut amener les gens à payer les vrais coûts, il faut aussi que les gens reconnaissent la valeur des aliments. Je prends pour exemple la valeur du maïs grain, qui est géré, le prix du maïs grain est géré par une bourse qui est complètement ailleurs de l'agriculture. Alors, quand je regarde mes producteurs chez moi, au Québec, qui font du maïs grain et qu'on a des besoins de séchage et qu'on a des besoins d'entreposage qui sont complètement différents de plein d'autres producteurs agricoles, mais qui doivent le vendre au même prix, donc on ne compare pas les mêmes coûts, on ne compare pas les mêmes réalités. C'est la même chose avec... quand moi, je vais faire l'épicerie, chez nous, au Québec, on produit de très grandes quantités de pommes. Mais la première pomme qu'on m'offre à l'épicerie, elle vient de Nouvelle-Zélande. Alors, et la fraise vient de Californie et elle m'arrive en hiver. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on veut ajouter de la valeur à nos aliments, bien, il faut aussi reconnaître la provenance de ces aliments-là. Et donc, quand le consommateur va être capable peut-être de diminuer un peu sa consommation d'ananas, d'avocat et de homard aussi, pour se concentrer sur vraiment un approvisionnement local, bien, on va pouvoir aller chercher et la qualité et aussi une meilleure... On va avoir le goût de payer davantage parce qu'on va connaître davantage... les producteurs. Les bananes, je les ai à 29 sous la livre chez nous, puis c'est marqué biologique et équitable. Je pense que c'est irréaliste, cette situation-là. Il faut ramener une valeur locale, il faut ramener une couleur locale à notre alimentation. Merci. Je rejoins mes deux collègues sur le fait que on a mondialisé un petit peu les choses. Et aujourd'hui, on vit quelque chose d'extrêmement difficile en agriculture parce que nous, on est directement sur le marché mondial. Et même aujourd'hui, l'agriculture bio est en train de découvrir qu'elle va tomber sur le marché mondial. Décidément, je m'excuse. Hein. Et donc, en fait, dans nos pays, tout le marché des services est sur un tarif intérieur. Et en fait, si on change des règles, la compétition se fait à l'intérieur, donc ça ne change rien. Tandis que nous, on est sur un marché mondial. Et je me suis amusé parce que on a les réunions de famille, comme tout le monde, et on te rétorque toujours en tant qu'agriculteur, oui, mais toi, tu touches la PAC. Donc je me suis amusé un jour auprès de ma sœur et voilà 2-3 mois auprès de ma coiffeuse. Je vais prendre l'exemple de ma coiffeuse qui est en train de me couper les cheveux. Et donc, elle me dit, oui, mais monsieur Thomas, vous avez les subventions agricoles. Oui, Émilie, oui, mais est-ce que tu sais combien vaut une coupe de cheveux sur le marché mondial? Et là, j'ai eu un blanc, encore une fois. Hein, j'ai dit, ouais, 50 centimes à 1 euro. Hein. Écoute, au lieu de me prendre 15 euros, je vais te filer le prix mondial. C'est le bon deal, quoi. Tu m'achètes mon blé à travers le pain qui est vendu dans la boulangerie au prix mondial, moi, je vais te payer ma coupe au prix mondial. Puis on n'a qu'à tous faire comme ça. Et c'est là que ça revient à ce que mes collègues disaient, qu'on amène de la réflexion dans le système. Et c'est vrai que quand on va chercher, je vais prendre l'exemple, excusez-moi, les filles de la baguette, on est quand même en France,
quand on voit que pour une maudite baguette qui vaut 1 euro, hein, on va recevoir en blé 3 centimes d'euros. Hein, j'ai proposé qu'on fasse une photo d'un agriculteur avec son béret qui fait la mendicité à la sortie de la boulangerie. Donnez-moi 3 centimes d'euros à chaque baguette que vous achetez. C'est ça, on est là. On est là, hein, pour une baguette. Donc oui, il faut qu'on remette du prix, il faut qu'on avance sur ce dossier-là. Par contre, je ne crois pas à des labels, je m'excuse là-dessus. Je ne crois pas à un label, ce serait qu'un label de plus. Et après, comment on définit, comment on vérifie, comment on contourne et tout ça, et je ne pense pas. Je pense qu'il y a trop d'intérêt déjà à le faire. Et je fais confiance à l'agroécologie. Et je suis sûr que si on est bon à le faire, si ça se voit, c'est pour ça que des fois je dis aux agriculteurs, faites vos champs beaux. Au moins, ça se voit. Si on est bon à le faire, si les aliments sont bons, il y aura des réactions positives qui vont s'organiser et des réseaux qui vont se réorganiser et ça va se faire presque tout seul. Ça peut être les bonnes surprises de l'agroécologie. Mais je ne crois pas à un label. Par contre, je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller d'abord pour les sols, il faut y aller pour la qualité des produits, il faut y aller pour l'économie qu'on va faire, pour la compétitivité qu'on pourra conserver par rapport à nos autres collègues. Mais on aura certainement des bonnes surprises au niveau du consommateur. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos belles présentations et ces messages d'espoir. On va attaquer la dernière partie de l'après-midi. Je vais appeler Sébastien Roumégousse, François Mullet, Conrad Schreiber et Alain Canet. On va parler justement de mouvement pour une agriculture du vivant, un mouvement pour, réconcilier ces agricultures et puis accompagner cette transition vers l'agroécologie. Donc on a Sébastien, Alain. On va faire assez court, on va faire une demi-heure avec quelques questions-réponses. Alors peut-être vous qui êtes à l'origine de ce mouvement pour une agriculture du vivant, quel est l'objectif d'avoir créé un mouvement qui fait le lien entre les milieux agricoles et puis les groupes de Laval? Alors, l'objectif, c'est une continuité des choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions techniques qui ont amené vers l'agroécologie, qui ont amené vers le semis direct dans toutes les filières agricoles. Donc, on a vu beaucoup de progression en élevage, sur l'autonomie en protéines, sur beaucoup de dossiers. On en voit aujourd'hui beaucoup en viticulture. On en a vu en maraîchage aussi beaucoup. J'ai moi-même participé au développement du réseau maraîchage sol vivant. Et en fait, on a vu dans toutes les filières ces dernières années se développer à peu près toujours des techniques qui vont dans le même sens. Dans le sens de la couverture des sols, la reconstruction biologique des sols. Et je dirais qu'il nous a semblé à un moment donné que c'était le moment, tout simplement, de créer un mouvement global qui regroupe tout ça. C'était le moment, ça y est, toutes les filières étaient à peu près prêtes techniquement, en tout cas. On avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient engagés dans toutes les filières. Et donc le premier objectif, c'était de faire un front commun, quand même, malgré tout, pour défendre ces techniques-là. Après, il y en a d'autres. Je vais peut-être laisser développer mes camarades les différents objectifs de l'association, mais je pense que l'origine de notre association, là, c'est vraiment faire le constat qu'aujourd'hui, l'agriculture est mûre pour faire cette transition sur le plan technique. On est en train de la faire et qu'elle va quand même se développer principalement parce que nos produits, on va les vendre. Alors la question du label, on va l'aborder. Label ou pas label, comment on va s'y prendre, ça d'ailleurs on ne sait pas encore forcément dans le détail. Mais voilà, je pense que la principale raison, c'est quelque chose de parfaitement logique en fait. C'est le moment de le faire. Donc l'autre idée par rapport à l'agriculture du vivant, c'était de capitaliser sur tout ce travail de fond qu'on vous a montré pendant 4 jours, dont Frédéric Thomas est un bon exemple, Méodette et puis Gilles Clapperton, tous les autres spécialistes. Aujourd'hui, c'est possible, c'est pas parfait, donc ça laisse 30 ans de travail et de développement. On peut à peu près parier que grâce aux végétaux, on pourra désherber un certain nombre de cultures demain, c'est-à-dire c'est plante contre plante, c'est ça qui va arriver réellement. Donc, on n'est absolument pas inquiet. Et puis, l'idée, ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut changer le principe même du commerce en agriculture.
C'est-à-dire que, vu le prix que le consommateur paye, tout le monde triche dans la chaîne agro-industrielle. Alors là, ça y est, on montre du doigt les méchants de l'agro, on va dire, des industries agroalimentaires, de l'agrochimie, etc. Mais n'ayez même pas peur une minute, le bio, c'est déjà comme ça. D'accord ? Donc, de toute façon, tout le monde va tomber dans les mêmes pièges tout le temps. Donc, il faut s'en sortir tranquillement avec un projet fédérateur, constructeur, nouveau, intéressant, motivant. Il va falloir attirer les jeunes. Et donc, on fait le pari qu'en discutant avec les metteurs en marché, c'est-à-dire les grands de la distribution en France, et en travaillant ensemble à changer un petit peu la commande aux agriculteurs, on change aussi la rémunération des produits à l'intérieur de la chaîne sans que forcément ça ne coûte pas plus cher aux consommateurs. On peut jouer beaucoup sur une réorganisation du système. Et on pense, alors là, Odette et puis Jill Clapperton, elles ont complètement raison, il va falloir que les agriculteurs fassent un effort de qualité. C'est-à-dire qu'il va falloir produire l'environnement, produire la biodiversité, produire la qualité réellement. Parce qu'aujourd'hui, ben, on peut se poser des questions. Parce que quand on commence à mesurer, on voit bien qu'il y a des petits bugs et des problèmes. Et donc, par rapport à ça, il est temps qu'on se mette autour de la table plutôt qu'on ne se tape dessus. Parce que ça fait 30 ans qu'on s'oppose et ça fait 30 ans qu'on régresse. Voilà. 30 ans, regardez bien, la France, elle est passée de premier pays européen agricole à quatrième ou troisième. Donc, c'est plus tenable. Il lui faut un joli projet agricole. Et on fait le pari de ça. C'est-à-dire que les agriculteurs sont prêts. Il faut que maintenant, ça arrive aux consommateurs et que toute la chaîne intermédiaire se mette au travail. Alors, c'est un gros travail parce qu'il faudra tout réformer. J'ai envie de dire qu'ici, au salon, la moitié des machines sont bonnes pour le musée, déjà. Hein, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Moi, je rejoindrai ce qui a été dit. Je pense qu'une des choses très importantes, c'est se mettre autour de la table et travailler. Du producteur jusqu'au dernier metteur en marché. C'est un peu l'ambition. Et au fil de toute cette chaîne, il y a la chaîne de valeur, mais aussi les constructeurs de matériel, les producteurs d'intrants divers et variés qui vont s'adapter à cette nouvelle façon de produire. Donc Frédéric, Jill et puis Odette en ont démontré l'efficacité, mais aussi tout le travail qui reste à faire, toute la R&D qui reste à faire en s'appuyant sur les agriculteurs, c'est-à-dire que le socle de développement de l'Association pour une agriculture du vivant, le modèle de développement, c'est bien un travail collaboratif avec les agriculteurs pour développer les techniques. Et puis, pour recréer de la confiance, mettre tout le monde autour de la table au sein d'un véhicule commun. Et ce véhicule commun, on souhaite que ce soit cette association qui regroupe tout le monde dans sa gouvernance. Voilà, donc oui, je dirais que s'il y a un mot, ça serait plutôt ramener de l'unité, de la collaboration au sein du monde agricole autour d'une vision commune et collective de qu'est-ce que c'est que la production en agroécologie. De toute façon, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut foutre le matos à la poubelle. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, on est précisément, aujourd'hui, là tout de suite, en 2019, on a 95% des agricultures qui perdent la matière organique. Point barre. On est de gauche, on est de droite, on est gros, on est petit, moyen, on est en viti, on est en grande culture. Frédéric a montré du surpâturage, c'est catastrophique. La France est un paillasson, c'est parfaitement catastrophique. 95% des agricultures perdent la matière organique. Point. Donc à partir de là, on met en place une démarche de progrès, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc on est d'accord qu'il y a 64 démarches en France. 65, pardon. Il y a 65 démarches, chartes, cahiers des charges, labels, machin. Sur le blé, il y a 26 cahiers des charges. Quand vous amenez ça chez un meunier, il ne sait plus quoi en faire. Et bien nous, effectivement, on a décidé de créer une marque supplémentaire. C'est complètement con, hein ? On est bien d'accord. C'est complètement con, mais nécessaire. C'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une marque qui se démarque. Ouais, non, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. La preuve, c'est qu'il y a des groupes qui travaillent avec nous dans la marque et qui ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils viennent chercher la démarche de progrès. Ils viennent chercher l'agronomie. Ils viennent chercher la cellule technique qui fait des fiches fermes, des indicateurs de résultats. Toute l'agriculture est là avec des objectifs de moyens.
4600 MAE aujourd'hui. Et on n'a jamais perdu autant de pognon, et les sols n'ont jamais été aussi pauvres, et les rivières n'ont jamais été autant chargées de matière organique. Ça a été pour moi un choc la première fois que je suis allé au Canada. Vous êtes au-dessus du Saint-Laurent, on vous dit c'est boisé le Canada. Vous êtes au-dessus du Saint-Laurent, il y a du bois de chaque côté. Mais la plaine, elle est dévastée, elle est érodée de la même façon. Vous avez un pays qui est boisé à 90%, enfin j'en sais rien en demeurant. Et ça c'est dramatique. Donc l'idée de la marque, c'est juste dire, vous faites ce que vous voulez, mais aujourd'hui, dans les 65 marques existantes, il n'y a pas une once d'agronomie. Et c'est ça le drame de notre civilisation, c'est qu'il n'y a pas une once d'agronomie, et l'agroécologie a été bien redéfinie. Les deux piliers essentiels de cette agroécologie, c'est les couverts végétaux et l'agroforesterie. Et avec deux mesures, on sauve toute l'agriculture. Et Frédéric l'a bien reprécisé. Derrière, tout s'emboîte. Comme disait Conrad quand il était jeune, donne du carbone à ton sol pour être autonome. Je travaille la question du carbone et de la fertilité. Derrière, j'ai le cycle de l'eau, du phosphore, j'ai de la biodiversité, des paysages. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette ornière dans laquelle on est enlisé. Il faut stabiliser, voire faire monter les taux de matière organique dans 95% des cas, hein, c'est beaucoup. Chaque jour qui passe, et c'est à partir de là qu'on va reconstruire et sortir des béquilles et des dépendances qui sont aujourd'hui dramatiques. On avait écrit il y a quelque temps l'idée du coût à produire, le coût à produire, la capacité de vendre un produit sur sol vivant, il semblerait qu'il soit bon, hein. Nourrir le sol pour nourrir l'humanité, il semblerait qu'il soit bon. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des paysans optimistes, c'est exactement ça, dans des paysages prospères. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous redéfinir les missions concrètes de l'association Agriculture du Vivant ? Merci Alain en tous les cas pour ça. Effectivement, ouais, ça t'allait. Vraiment le socle. Ça allait, c'est bon. Le socle. Ah, ouais. Effectivement, ben, la mission, c'est de travailler autour de plusieurs aspects. Premier aspect, effectivement, une cellule de développement agronomique. Donc, venir rassembler en tous les cas des expertises qui permettent de répondre aux besoins des filières. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de rassembler toute la force vive en France et peut-être même d'ailleurs pour pouvoir travailler autour de ces thématiques-là. Et voilà. Donc ça, c'est cellule de développement agronomique. Deuxième pilier, structuration de filière. Donc évidemment, il y a des choses qui sont plus ou moins complexes. Voilà, faire de la pomme de terre, la mettre dans un filet, la mettre au supermarché, c'est pas très compliqué. Quoique de la pomme de terre en agriculture de conservation, on commence à avoir un certain nombre de défis techniques. Mais ensuite, si on commence à parler de blé, si on commence à parler de produits transformés, les filières sont plus complexes. Donc on va travailler à la structuration de filière en combinaison avec la cellule agronomique pour relever les défis techniques. Avec un certain nombre de collaborations internes ou externes avec des experts ou des groupes de producteurs surtout. Et ensuite, tout ce qui va être lié à la communication, voilà, savoir communiquer à la fois en interne, c'est-à-dire acculturer les groupes sur ce qu'est l'agronomie, pourquoi ça peut être complexe et pourquoi il faut financer la transition, alors soit en recombinant les facteurs de production, etc., soit des fois en mettant un peu de prix supplémentaire, et de la communication externe pour expliquer ce qui a été fait tout à l'heure brillamment. Par exemple, on a une polémique, le glyphosate, c'est pas si simple, c'est pas binaire, il n'y a pas un méchant et un gentil, il y a une complexité, il y a de la biologie, et il faut démarrer par la première brique de départ. Et donc ce socle agronomique qui part du sol, c'est bien de ça dont on parle, et donc la communication essaye aussi de repartir de cette brique de départ. Et c'est vrai que dans tous les labels, il n'y en a aucun qui part du sol. On va faire de la bande fleurie, on va faire des haies, on va faire des bandes tampons, on va faire de la rotation de culture, mais derrière, est-ce qu'on parle vraiment du sol? Et c'est sur ce socle-là que s'appuient ces trois piliers de l'association et du déploiement des services. Voilà. Conrad, on parlait de pommes de terre, justement, il y avait une journée technique pommes de terre en sol vivant. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Qui est-ce qui vient? Parce qu'il y avait... je crois 120-140 personnes la semaine dernière dans cette journée. Oui, en fait, les pionniers, ils ont réussi trois choses. Ils ont réussi à réfléchir différemment, à mettre le couvert végétal et les plantes correctement à leur place. Et maintenant, il s'agit d'améliorer la mise en production de ces nouveaux systèmes. Donc, il y a trois types de projets qui ont été identifiés. On avait beaucoup travaillé avec ça, avec François, à incuber. Donc, c'était les Suisses qui nous avaient un petit peu ouvert la voie. C'est-à-dire, on fait des buttes d'automne, on les couvre de couverts et on plante dedans au printemps. Première idée
qui finalement est intéressante. Deuxième idée, on met des couverts et on fait tout d'un seul coup à la plantation au printemps. C'est-à-dire on broie les couverts, on les détruit et on les met dans la butte au printemps. Ça marche aussi très bien. Donc voilà, deux grandes options qui améliorent énormément le niveau. Et puis le premier niveau qu'on a mis en défi aux agriculteurs, c'est justement de ne plus perdre la matière organique des sols. C'est-à-dire, nous voulons qu'à la fin, le bilan humique du champ soit positif ou au moins supérieur ou égal à zéro. Voilà. Premier grand défi. Alors ça ne se fera peut-être pas en claquant des doigts, mais une troisième solution est apparue. C'est-à-dire que nous allons aussi expérimenter la pomme de terre, comme les Incas, sous la paille. Alors ce ne sera pas là des roseaux de papyrus, mais ce sera probablement de la toile de chanvre avec des couverts végétaux. C'est-à-dire on fera de la pomme de terre en semi-direct, sans aucun travail du sol. Alors c'est très expérimental, mais je pense que dans 10 ans, ce sera la norme. Et donc, les gens qui s'intéressent à ça, c'est les producteurs, les groupements, les spécialistes, les techniciens qui accompagnent les agriculteurs, parce que tous les agriculteurs présents, sans exception, ont le même problème, compaction des sols, érosion des sols, dégradation accélérée du système. Et donc, à un moment donné, ils sont obligés de réagir. Et donc, ça vient vraiment en écho. C'est-à-dire, je remercie les pionniers qui ont rendu ce monde-là possible. Alain, pourquoi c'est la seule démarche, cette agroécologie, c'est la seule chose valable pour faire avancer l'agriculture ? Oh putain, c'est une question compliquée. Ça faut demander ça à des spécialistes. Je crois qu'on l'a dit et redit, c'est l'avantage, c'est qu'aujourd'hui on va plus coopérer. Je crois que c'est à peu près correctement étayé. C'est aussi l'intérêt du temps qui a passé, où les échecs ont été parfois cuisants dans ces différentes techniques, un peu nombreux. Aujourd'hui, je serais tenté de dire que on sait à peu près ce qu'il faut pas faire. Cette histoire de photosynthèse augmentée, j'ai l'habitude de dire qu'on ne confondra plus productivisme et productivité. On confondra peut-être plus fertilité et fertilisation. Ce n'est pas parce qu'il faut un peu de fertilisation qu'il ne faut pas travailler cette question de la fertilité. Donc on voit, on s'est mis d'accord, et je ne crois pas, enfin on verra, on va donner la place au débat, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui... On se trompe de sujet quand on parle d'agronomie et de fertilité. Et l'agroécologie, finalement, puisqu'on y est revenu dessus, l'agroécologie fédère et dit à tout le monde, il faut y aller. Et on n'a pas vu d'opposition ces deux dernières années, on n'a pas vu d'opposition autour de cette agroécologie. Ça veut dire que la ligne directrice et la colonne vertébrale de la fertilité sont posées. Ça, il était temps entre nous, hein. Parce que je me souviens de grandes réunions dans des grands ministères ou à Bruxelles ou ailleurs où 15 personnes autour de la table, 12 façons de parler d'agronomie. Ce qui est absolument inquiétant. Il n'y a qu'en agriculture qu'on voit ça. Je peux vous dire que dans les avions, pour les faire décoller, on ne s'emmerde pas comme ça, quoi. Il y a des règles, des cahiers des charges, on les applique. Il y a un truc qui s'appelle le carbone en agriculture et le kérosène dans les avions. Il faut en mettre dedans pour que ça décolle, quoi. Donc l'idée de la marque, pour y revenir, puisque c'est la question, mais l'idée de la marque, qu'on la prenne ou pas avec le tampon, c'est pas important, enfin faut pas le dire, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'entrer. Moi, ce que je vois d'important, enfin je sais pas vous, mais ce que je vois important, moi, c'est les yeux des agriculteurs qui brillent quand on leur dit qu'on avance à toutes les échelles. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de défoncer les écosystèmes existants pour distribuer des produits, parce qu'ils existent. On les fait avancer, évoluer. Les agriculteurs, quand on leur dit ça fait 22 ans que tu fais des couverts, tu as un blé qui semblerait être plutôt bon aux analyses, tu as arrêté l'érosion, et ce blé, il est toujours fondu dans la masse. Sauf qu'aujourd'hui, dans la restauration collective, qu'elle soit publique ou privée, on arrive à faire un menu de l'agroécologie. Donc le vendredi, le menu, il est bio, et on dit bien à la bio, passe à l'agroécologie, parce que sinon, ça va être un peu compliqué en termes de durabilité, et on dit bien à ce qui s'appelle le conventionnel, on est en mesure de mettre sur la table un menu de l'agroécologie. Il coûtera quelques centimes de plus, mais le consommateur, derrière, il voit la biologie du sol, l'activité, la qualité du sol, et il voit tous les effets conjugués positifs.
L'idée de ce projet, c'est de dire on est capable de vous le mettre dans l'assiette une ou deux fois par semaine, et en le mettant dans l'assiette, vous faites un acte de consommation fort. Parce que sinon, on a le distributeur qui est un peu con, l'agriculteur qui est un peu con, le transformateur, ben, il est un peu con, et le consommateur, comme son nom l'indique, il est un peu con aussi. Donc on se retrouve avec une chaîne de cons, mais aujourd'hui, non, il faut une chaîne de dialogue. Les mesures que l'on a fait à grande échelle montrent qu'on a quand même 30% de la population qui est prête à y aller, qui est prête à se dire, si j'ai... C'est, après, bon, bah, du coup, puisqu'on a déjà parlé du canard, n'est-ce pas, je vais vous faire le coup. Le magret agroforestier, vous en avez déjà goûté? Vous vous rendez compte du canard qui mange des figues, qui mange des prunes, qui mange des feuilles, qui mange de l'herbe? Le magret agroforestier, il sauve la planète parce qu'il est bon pour l'eau, pour le paysage, pour la biodiversité, pour le climat, pour l'agriculteur et son optimisme. Et je serais tenté de dire que les véganes peuvent en bouffer du magret agroforestier parce qu'il est tellement parfait que ça fonctionne, quoi. Ouais, bon. Et on va prendre quelques questions. Tu veux rajouter quelque chose? Je vais juste ajouter une chose importante. Et je fais référence à la présentation de Frédéric Thomas, qui dit ça, est-ce que c'est de l'agroécologie? Ça, c'est est-ce que c'est de l'agroécologie, etc. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Et je pense que c'est pour ça qu'on a appelé ça agriculture du vivant. Le vivant, il a une façon de fonctionner. Et la croyance n'y fait rien. Et on a besoin de travailler la photosynthèse, le carbone, etc. Et je pense qu'au-delà de dire on a toutes les techniques et tous les itinéraires techniques, la volonté de l'agriculture du vivant, c'est de dire il faut respecter le fonctionnement du vivant dans l'action de production, et c'est comme ça qu'on va réussir à produire et protéger l'environnement en même temps, et on n'a pas d'autre solution. Et que ce soit complexe, on s'y accorde, mais on n'a pas le choix que d'y aller, et je pense que c'est la volonté de l'association de dire on fédère toutes les forces vives qui ont la volonté, l'envie et l'optimisme, parce qu'il en faut, pour pouvoir structurer les itinéraires techniques de demain, toute production confondue, et aligner l'agriculture avec le fonctionnement du vivant. Voilà. Et du coup, c'est des cahiers des charges ou des cahiers de propositions? Enfin, comment ça fonctionne? Ils sont évolutifs, et on a essayé de les faire fonctionner autour de la mesure de résultats. Voilà. Ce qui importe, c'est pas la méthode, c'est pas les moyens, on n'apprend pas aux agriculteurs la vie, hein, ils savent très bien faire leur... Ils ont leur pratique. Maintenant, les moyens sont multiples. Le résultat, il doit être le même. Un bilan humique positif, une couverture du sol, bref, tous ces principes qui permettent d'avancer. Et pour l'animal, c'est le respect du fonctionnement de l'animal, avec des notions d'éthologie et de bien-être animal. Vous voulez vous exprimer? Pour expliquer un petit peu la démarche de labellisation à laquelle on est en train de réfléchir, puisqu'en fait, on est vraiment en train d'y réfléchir, on a passé un an et demi à écrire des cahiers des charges de production. Mais pourquoi on l'a fait? C'était pour être sûr qu'on soit vraiment d'accord entre nous, qu'on soit vraiment d'accord sur qu'est-ce que c'était que les principes de l'agroécologie. Et on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait de la couverture permanente des sols, qu'il fallait une réduction du travail du sol, qu'il fallait un certain nombre de choses évidentes. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on a essayé en fait de l'appliquer sur les fermes. Alors déjà, une chose importante dans la vision qu'on a développée au début, c'est que par rapport à la plupart des chartes où on est dedans ou dehors, parce qu'on rentre dans le cahier des charges ou on ne rentre pas, nous, notre idée, ça a été de faire une démarche de progrès, c'est-à-dire une labellisation à palier, où, en gros, n'importe quel agriculteur qui respecte à peu près la réglementation peut rentrer au premier palier du cahier des charges. Mais, quand il a signé, il s'engage tous les 3 ans à améliorer suffisamment de choses en termes de couverture des sols, de réduction du travail du sol, d'agroforesterie et que sais-je encore. Il s'engage à rentrer dans cette démarche. Parce que le saut est tellement important entre une agriculture conventionnelle, labour ou même biolabour, et vers une reconstruction complète de nos sols, il y a même d'ailleurs très peu d'agriculteurs français qui ont vraiment réussi à la faire, que ça n'a aucun sens de faire un cahier des charges fixe. Il faut que ce soit plutôt une démarche de progrès. Parce que de toute façon, ça n'avait aucun sens pratiquement. Ensuite, ce qui nous a paru assez clairement, c'est que cette démarche de progrès, elle était quand même très difficile à auditer sur les fermes. Non pas qu'elle ne soit pas possible à auditer, seulement on se rend compte que ça coûte une quantité de fric, de temps, d'énergie absolument incroyable pour former des auditeurs, pour passer notre temps à les chicaner sur des virgules et des chiffres improbables, savoir comment vous faites pour estimer la couverture de votre sol. Si vous dites en cinquième année de transition, je dois avoir moins de 17% de temps mort dans la couverture de mon sol. Vous allez mesurer ça avec quoi?
en fait, on peut prendre une image avec un drone et puis un algorithme mathématique qui va vous dire, regardez, vous avez moins de 17% de temps mort dans la couverture de votre sol. Oui, vous pouvez le faire, sauf que vous avez dépensé X centaines de milliers, millions d'euros, alors qu'on pourrait faire bien mieux avec ça. Et donc, face à tous ces petits problèmes techniques qui rendent la mise en œuvre assez peu réaliste d'un cahier des charges comme ça, on s'est plutôt dit que dans un premier temps, ça devrait avant tout être une démarche d'accompagnement. En tout cas, pour les producteurs. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans notre cahier des charges, ils rentrent dans notre marque, alors ils ne sont pas obligés de l'utiliser, mais en tout cas, ils rentrent dans notre démarche. Et ce qu'on leur propose avant tout, c'est une démarche d'accompagnement qui va de la formation. D'ailleurs, ici, qui a déjà regardé des vidéos de Vers de Terre Production? Ah, quand même. Et bien ça fait partie de la démarche agriculture du vivant. Voilà. J'espère que vous l'avez compris à ce stade. Vous êtes pris au piège. Vous ne pouvez plus vous en sortir. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs, à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan agronomique, tout le long de cette transition. Et in fine, l'idée quand même, si on veut labelliser quelque chose à la fin, pour nous, il y a deux choses à labelliser. Et c'est pour ça qu'on a fait venir aux rencontres internationales plusieurs personnes qui travaillent sur le même projet que nous. C'est en fait de mesurer réellement la valeur des choses. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelles sont les valeurs et les indicateurs d'un vrai sol vivant. Il faudra qu'on se mette d'accord là-dessus, parce que tout le monde n'est pas encore tout à fait d'accord là-dessus. On est d'accord qu'il faut qu'il y ait des plantes, on est d'accord qu'il ne faut pas trop le labourer, on pense qu'il doit y avoir des vers de terre. Mais quels indicateurs il faut vraiment mesurer dans un sol pour pouvoir dire on est arrivé à un sol d'une bonne qualité. Et il va falloir qu'on se mette d'accord sur les indicateurs de valeur nutritive des produits, puisque c'est quand même le but à la fin, c'est de dire on mesure, et voilà, c'est bon, c'est pas bon. Il y a un levier sur lequel on est en train de travailler pour pouvoir réussir à faire ça, en fait, c'est de baisser le coût de la mesure. Tu disais qu'effectivement, la plupart des chartes étaient avec des cahiers des charges de moyens. En fait, pourquoi on utilise des cahiers des charges de moyens? Tout simplement parce qu'une analyse, ça vaut super cher. Une analyse fine d'une valeur nutritive de produit, ça coûte extrêmement cher, aujourd'hui, dans l'état actuel de la technique, et donc ça semble compliqué d'aller mesurer la valeur de chaque lot. Moi, je suis maraîcher, j'ai 50 cultures différentes, des petites quantités. Si je dois mettre 1000 balles d'analyse pour démontrer que ma série de 1000 salades, elle est bonne, bah, c'est pas la peine. Je vais pas y arriver. Et donc, un des enjeux, c'est de baisser le coût de la mesure à la portion congrue. On pense, et c'est probablement comme ça que ça va se faire, que dans 5 ou 10 ans, en plus de votre Teslamètre, appareil photo, GPS et machin dans votre smartphone, vous aurez en plus quelque chose qui vous permet d'analyser la valeur nutritive. Ça vous permettra de faire plein d'autres trucs. C'est des scanners infrarouges, ça permet de faire une quantité de choses incroyables. Et on aura ça dans les smartphones. Donc c'est un peu sur cette trajectoire-là qu'on se positionne aujourd'hui, c'est notre consensus. Si vous avez des idées, nous on est complètement ouverts à se poser toutes ces questions. Il y a la question du prix, qui nous a pris énormément de temps, et qui continue. Toutes les solutions qu'on avait trouvées, en fait, elles s'avéraient être illégales. C'est un gros problème qu'on a eu, je ne vais pas développer parce que déjà ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quand même un gros problème qu'on a eu, qu'on a vraiment essayé de chercher des solutions pour aligner les prix, pour avoir des prix cohérents entre les agriculteurs, la grande distribution, etc. En fait, on s'est rendu compte que le seul moyen d'y arriver, c'était de se mettre d'accord, et que c'était interdit de se mettre d'accord. C'est une réalité. Quand tu as parlé d'analyse, je pensais à l'application sur le téléphone d'Alain, juste à côté de Tinder, c'est ça hein, le truc pour... Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Alors, on a un micro qui se balade, il y a plusieurs questions. Oui, alors, au premier rang, et puis on ira à gauche. On va en prendre trois d'un coup. Allez. Oui, bonsoir tout le monde. J'aurais jamais cru dans ma vie de paysan de venir prendre un aussi joli cours d'agronomie à la capitale. Alors, je suis sorti de ma cambrousse, mais je n'avais pas entendu parler de Vers de Terre Production avant, il y a à peine 6 mois. Par contre, je pratique, il me semble, mais l'agroécologie sur ma ferme depuis une trentaine d'années. Bon. Et puis, je suis prêt à amener une toute petite dose homéopathique de quelques préparations biodynamiques. Merci à vous. Merci. Donc, on demande beaucoup aux agriculteurs aujourd'hui. Donc, le fait d'aller vers un label... C'est pour l'agriculture, pour l'agroécologie, c'est formidable. Mais
est-ce qu'on ne pourrait pas demander aussi un effort à la société, aux consommateurs, par rapport aux déchets, par rapport aux déchets que l'alimentation entraîne? Ça, c'est un énorme problème, c'est un énorme challenge de la société de demain. Sur la planète, aujourd'hui, toutes les mégapoles sont près des grands fleuves, sont près des océans. Donc, ça veut dire que souvent, c'est traité ou pas dans des stations d'épuration, l'alimentation qui passe dans le corps des humains. Et on a un énorme gaspillage de matière organique. Tout à l'heure, M. Canet évoquait les problèmes de matière organique dans les sols agricoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en même temps, parallèlement, en créer un label des déchets? Et on va prendre la question de madame. Vous demandez, est-ce que ça fait partie des techniques que vous utilisez pour un peu contrôler tous les adventices, l'agro-homéopathie? Alors, qui commence? Je vais répondre sur la question des déchets. Pour que les choses soient bien claires, on a décidé de régler les problèmes les uns après les autres. Hein, parce que sinon, on se fait... vous voyez ce que je veux dire? On brasse large... Et je crois qu'on ne va pas y arriver. Vous avez évidemment parfaitement raison. Le projet de société qu'on a mis en œuvre, d'ailleurs, depuis qu'on a réfléchi à cette affaire-là ou qu'on nous a fait réfléchir à cette affaire-là, ça a beaucoup bougé. Il suffit de regarder ce qui se passe, ne serait-ce qu'à la télé, pour ceux qui l'ont, dont je ne fais pas partie. Enfin, ça bouge beaucoup et ça bouge très vite. Donc il faut qu'on ait une réponse cohérente. Et avoir une réponse cohérente, c'est une réponse concertée, positive et participative. On en est là. Et on est prêt à y aller. Donc on a décidé de travailler le socle agronomique. Hein, parce que ça, c'est absolument urgent. Derrière, on mettra au fur et à mesure en place des éléments. Moi, ce que je veux dire, moi, j'en représente un certain nombre d'agriculteurs. Ce que je veux dire, c'est que là aussi, on s'oblige à balayer devant notre porte. Ça a été très bien exposé tout à l'heure. On s'oblige à balayer devant notre porte. Faire bien, c'est indispensable. Mais faire bien, ça ne coûte pas plus cher à terme. Ça, c'est quand même extrêmement important dans cette démarche sous indicateur qui montre et qui démontre que ça sera un peu dur, qu'il y a des étapes à passer, mais on n'a pas le choix de se passer du capital sol pour en avoir des intérêts grains. Je fais un résumé de résumé. On n'a absolument pas le choix. Donc, il est extrêmement important qu'on se mette au clair avec ça. À partir de là, derrière, on verra. Aujourd'hui, arrive... on parlait d'externalités positives, enfin, tout un tas de trucs, les calculs du machin, des trucs encore très très compliqués. La ligne directrice, elle est bien celle du carbone et de la matière organique. C'est ça qu'on veut. Pendant un an, on va parler que de ça. J'exagère, mais pas tout à fait. Pour que derrière, après, on puisse mettre les autres briques. Parce que sans fondation, cette agriculture, on voit bien qu'elle s'effondre. Je vais finir le débat. Depuis le début, on pense que l'agriculteur, il doit montrer l'exemple, parce qu'il possède le bon modèle. Une plante, son sol, la terre fertile, produire, consommer, recycler. Je recycle tout, je ne manque jamais de rien. Le modèle de durabilité par excellence. Si nous, agriculteurs, on se fédère pour ce projet, d'accord ? Si on devient exemplaire sur de l'agroécologie, alors les chemins vont être compliqués, multiples, c'est pas un problème. On y arrivera assez facilement, à mon avis. Eh bien, la ville, elle sera obligée de suivre. Par contre, si nous, on reste dispersés, divisés, qu'on continue à faire n'importe quoi, il est clair qu'elle ne suivra pas. Et après, tu peux parler de tout ce que tu veux. Il est plus simple de dire, bon, écoutez, nous, on fait notre travail et les résultats sont bons. Donc, il va falloir mesurer les résultats économiques, environnementaux, etc., des pratiques agricoles. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir amener ce débat-là. Mais on ne peut pas demander à la société de mieux recycler et de mieux recycler ses déchets si nous, déjà, on continue à polluer l'eau, à détruire les sols, à détruire la biodiversité, etc. C'est quand même pas tenable. Et donc, d'abord, nous, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, et c'est comme ça qu'on avancera. Et j'en suis sûr. Et en fait, c'est les leaders du mouvement dont... tu en fais partie. On peut montrer des choses tellement extraordinaires déjà que ça ne donne que envie aux autres de progresser. Sur
Il y avait la question sur l'homéopathie, le désherbage homéopathique. Le désherbage homéopathique. Et la ration du sol. Alors, on commence par la ration du sol. Et effectivement, on va peut-être finir par le désherbage homéopathique. Oui, ça fait partie des 1000 solutions qu'on essaie de mettre en œuvre pour résoudre... Enfin, déjà, commencer par ouvrir les boîtes à outils, quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le problème des agriculteurs, et notamment avec la multiplication des chartes qui sont sur des indicateurs de moyens, c'est qu'à chaque fois, on commence par retirer des outils aux agriculteurs. Et après, on dit, c'est bizarre, ça marche mal. Donc nous, aujourd'hui, notre volonté, c'est d'ouvrir au maximum les boîtes à outils, et notamment sur le sujet du désherbage, parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas encore bien saisi, je vais préciser un petit peu ça, parce que c'est lié à la question du glyphosate, j'imagine. Il ne faudrait quand même pas oublier que l'agriculteur, quand il se lève le matin, il a un problème, c'est qu'il y a une forêt primaire qui essaie de repousser, quand même. Et une forêt primaire, bah, c'est costaud. C'est pas trois bricoles. La nature, ça fait des milliards d'années qu'elle fait pousser des plantes. Elle essaie toujours de faire pousser une forêt primaire. Et nous, on veut faire pousser des salades, du blé ou du maïs. Et elle, elle veut faire pousser une forêt primaire. Ça, faut pas l'oublier. Ça veut dire que tous les matins, quand on se lève, on a un gros problème, c'est qu'on doit lutter quand même contre ce mécanisme-là. Quoi. On comprend dans notre démarche que plus on copie le modèle de la nature, moins il y a en fait de mauvaises herbes, puisque c'est nos plantes qu'on fait pousser à la place des mauvaises herbes. Mais il n'empêche qu'il faut des vrais outils costauds, efficaces, puissants, souples, pas très chers, encore que la charrue c'est quand même très cher, pour réussir à désherber. Et tout ce débat sur le glyphosate, pas glyphosate, c'est en gros, ça se résume à est-ce que je mets de la chimie ou de la charrue. Alors, nous par exemple en maraîchage, on a d'autres outils qu'on a développés, on a les bâchages plastiques, les paillages organiques, il y a les bâchages organiques aussi, et à un moment donné, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez être contre un outil ou pas, ou un autre, mais vous ne pouvez pas être contre tous à la fois. Il en faut un. Voilà. Donc il va bien falloir choisir un outil de désherbage. Et effectivement, toutes ces stratégies de dynamisation de l'eau, d'homéopathie, de plantes, de tout ce que vous voulez, c'est des choses qu'on a dans la trousse à outils. Ça devrait marcher. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public ? Oui ? Alors, on en a 3, 4. Voilà, alors merci pour tout ce que vous faites. Je viens de passer la semaine à écouter plein de témoignages magnifiques et ça donne vraiment beaucoup d'espoir, donc merci pour tout ça. Et j'avais déjà passé un certain temps à recevoir comme ça des témoignages formidables quand j'étais en Inde et j'avais découvert à cette occasion un réseau qui est très très proche de vous, et c'est pour ça que je m'étonne en fait que vous n'êtes pas déjà dedans ou que ce n'est pas marqué que vous êtes dedans. C'est le réseau qui s'appelle Régénération Internationale et qui fédère beaucoup de, voilà, de forces de ce genre. Ouais. On les a vus au Canada l'an dernier. On n'a pas été totalement convaincus par tout le monde, ni en fait par la cohérence agronomique profonde de leur projet. Non pas que c'est pas la même idée au final, je pense que c'est à peu près la même idée au final, mais franchement je trouve qu'ils ont un peu de boulot. En plus c'est très anglo-saxon, on les connaît assez mal en France, mais je crois qu'il y a un peu de boulot quand même. Mais sinon je suis d'accord avec toi, c'est le même projet au final. Alors, on va prendre deux dernières questions là sur l'autre côté de la salle. Oui, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas, hein, bien sûr, je trouve que c'est une bonne démarche, mais alors, pourquoi avoir simplement ciblé sur une démarche avec de la grande distribution et pas aussi avoir réfléchi à du développement avec les agriculteurs de circuits beaucoup plus courts encore que de la grande distribution ? Oh, ben, c'est relativement simple. Je suis agriculteur, le circuit court, il est permis, il est ouvert, je vais le prendre et je le cherche, d'accord ? Donc, c'est de l'initiative privée, je vais sur le marché. Donc ça, ça existe déjà, ça se développe, ça n'a pas besoin d'être encouragé. Par contre, en circuit court, il faudra qu'il fasse de l'agroécologie aussi. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une démarche de développement. Pourquoi ? Le problème qui arrive, et en 2050, on sera 10 milliards d'habitants sur la planète, 80% habiteront en ville. La ville, c'est Paris, mais Paris sera une petite ville, d'accord ? Une ville, ce sera 50 millions d'habitants.
Le circuit court, ça pourrait être très compliqué pour autant de monde. Aujourd'hui, la seule chaîne d'approvisionnement de sécurité alimentaire établie pour la ville, c'est un circuit de distribution long. Or, qu'on le veuille ou non, qu'on soit à l'aise avec ça ou pas, je ne peux pas casser l'existence de ce fait sur mon genou. Donc, l'enjeu, c'est bien de convertir le circuit long. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est sans doute 80% de la production agricole. Et donc, demain, dans 20 ans ou 30 ans, ça aura sans doute beaucoup bougé, parce qu'on voit bien que les consommateurs bougent, ils sortent des supermarchés et ils font autre chose, tant mieux, mais en attendant, on est bien obligé de démarrer quelque part. Je vais même ajouter qu'au-delà du fait qu'il faut faire de la masse, on perd quand même, quoi qu'on en dise, un agriculteur sur deux aujourd'hui. Ça signifie qu'on va avoir une taille des fermes qui vont de toute façon augmenter, sauf révolution qui fait qu'on a un renouvellement de régénération, mais j'y crois personnellement pas trop. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se challenge et qu'on arrive à faire de l'agroécologie sur des grosses surfaces, quoi qu'on en dise. Je vais aussi pas mal en Espagne, en Europe de l'Est. Quand vous voyez la taille moyenne des exploitations en Europe de l'Est, en France, on est des tout petits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'est pas capable demain de faire de l'agroécologie sur 1000, 2000, 5000, 10 000 hectares, c'est qu'on n'a pas la bonne solution, entre guillemets. Voilà, on a besoin de faire de l'agroécologie de masse. Et ça, c'est une nécessité et c'est que collectivement qu'on va pouvoir y arriver. Avec agriculture du vivant, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Par exemple, on va travailler sur des filières. Le melon. Comment on fait du melon sans travailler le sol ? Sur des couverts végétaux, avec des techniques particulières. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire de la carotte ? Attaquer le dossier de la carotte sans travail de sol, c'est un peu un truc de fou. Mais pourtant, il faut le faire. Et donc, c'est parce qu'on structure un véhicule collectif où on rassemble tout le monde autour de la table et où il y a des forces vives et des forces financières aussi, hein, faut le dire, qu'on arrive à se challenger sur ce type d'itinéraire technique. Voilà, c'est une réponse qu'il va falloir apporter et c'est celle-ci qu'on essaye de challenger. Ce que je veux dire, juste, on va se battre pour le micro, mais c'est pas grave, c'est qu'on est encore vivant. Mais aujourd'hui, globalement, on a des agriculteurs dans nos réseaux, ils ont 60 hectares de blé. Donc il faut bien les mettre quelque part, ils font du super boulot. Donc là, il faut aller vite et tout de suite. Si on veut changer d'échelle, il faut récupérer ce blé. Et du coup, ça n'empiète pas sur les autres circuits. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On les a tous. Il y en a qui font du très fléché, du très visible, et puis à toutes les échelles. Ce qui m'intéresse de dire aussi, c'est que quelle que soit la taille, c'est le mètre carré qui compte de sol. Aujourd'hui, la ration du sol, c'est chaque mètre carré qui compte. On peut être très gros et faire très bien, très petit et faire très mal, etc. En tout état de cause, de reconstruire les sols, de cette optimisation de la biomasse, enfin de la photosynthèse pour faire de la biomasse, ça créera de l'emploi. Ça veut dire que ça permettra de réinstaller sur des plus petites surfaces pour faire, par exemple, du maraîchage. À partir du moment où on aura mis les sols en place. Et puis après, sur la question des circuits, on s'est posé... bon, ceci dit, on avait déjà vu quelques canettes quand on s'est posé cette question-là avec Conrad et François, c'était au début. François avait encore des cheveux, maintenant il se les arrache. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Je ne l'avais pas faite encore, aujourd'hui. Et c'est que, par exemple, on a pris le Bordeaux, le Bourgogne et le Champagne. Et en circuit court, c'est vachement dur, quoi, si vous voulez. Parce que boire tout le champagne en champagne, je peux vous dire, c'est du boulot, quoi, hein, s'ils le boivent que chez eux. Donc, vous voyez, il y a toutes ces dimensions et toutes ces géométries qu'il faut regarder. Peut-être, malgré tout, un témoignage intéressant, une expérience intéressante sur cette question du circuit court, c'est l'expérience du réseau maraîchage sol vivant. J'ai vu que j'avais des collègues dans le coin du réseau maraîchage sol vivant. Ils peuvent lever la main, tous ceux qui appartiennent de plus ou moins près. Il y en a quelques-uns dans la salle. Il y en avait 40 avant-hier, je suis témoin, j'ai vu la réunion. Ce réseau, comment il est apparu ? En fait, c'était très simple. Il y a un modèle qui fonctionne en vente directe aujourd'hui, qui fonctionne bien. C'est j'achète un hectare, deux hectares, je le mets en culture, je vends mes légumes en vente directe, circuit très très court. Ça marche à peu près. Ça marche à peu près, mais... quand je me suis installé à 10 ans en maraîchage, donc moi je suis tout de suite parti dans le développement des techniques en maraîchage sol vivant, et beaucoup de collègues à mon époque se sont installés avec tous les crédits nécessaires et suffisants pour pouvoir travailler leur sol. Moi je me suis installé avec vraiment pas grand chose, bon j'avais déjà la ferme, bon on est dans des situations tous un peu différentes, mais quand je voyais les collègues qui commençaient à emprunter 100 000 €, 150 000 € de matériel pour mettre en culture 3 ou 4 hectares, et ben vous comprenez tout de suite qu'il va leur falloir 10 ans pour amortir le truc.
Ils vont en chier. Et qu'est-ce qu'ils font avec ce matériel? Ils bousillent leur sol. Ils bousillent leur sol, ça pousse de moins en moins bien. Alors si au début ils se sont installés sur des prairies, ça va, ils ont un petit capital, ils finissent par l'abîmer. Certains sont assez malins, ils utilisent des matières organiques, donc ils arrivent à sauver un peu leur sol. Mais on a quand même très souvent un modèle avec un endettement, une destruction des sols, et on voit que ça passe plus en fait. On voit que ça passe plus et les fermes, globalement, il y en a qui s'en sortent, mais il y en a beaucoup qui galèrent. Et ce qui a été très intéressant dans le développement du réseau de maraîchage sol vivant, c'est que non seulement les fermes qui se sont installées, elles sont encore à peu près toutes là pour en parler, et ensuite on a sorti de l'ornière un sacré paquet de fermes, et toutes celles qu'on installe aujourd'hui, globalement, elles ont tendance à très bien marcher. Parce que, l'air de rien, notre modèle agroécologique, il est très efficace. Pour donner un exemple très simple, pour mettre en culture une prairie, je l'ai encore fait il y a cette année, chez un collègue qui n'a pas de sous, il a une toute petite, il arrive à se trouver un petit morceau de terrain, on achète juste une bâche plastique, on recouvre tout, la prairie, et on met nos plants dedans. Alors, jusqu'à présent, on le fait avec le plastique, mais on est en train de le faire aussi avec d'autres matières organiques, mais on n'a pas eu à acheter une quantité de matériel invraisemblable pour mettre en culture au moins dès la première année. Et je crois que néanmoins, nos techniques agroécologiques, elles ont vraiment cette opportunité, enfin elles amènent une opportunité très forte pour tous les néo-ruraux qui veulent s'installer sur petite surface, en vivre, parce qu'on a vraiment des modèles qui marchent parce qu'ils sont efficaces. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je vais quand même vous donner un exemple, parce que la dynamique est très très forte. J'ai commencé la démarche dans ma région en Normandie il y a 10 ans. À l'époque, la même année, j'ai dû m'installer avec une dizaine de maraîchers dans le même secteur. Tout le monde était en bio. Il n'y avait déjà plus d'installations en conventionnel à l'époque, ou très marginalement. Tout le monde s'installait en bio traditionnel, labour, cultirato et tout le bazar. J'ai commencé à faire des formations, j'ai formé un mec, deux mecs, trois mecs. Aujourd'hui, on est à je ne sais plus combien, 80 fermes. Et mon ami Vincent, qui est président de l'association Maraîchage Sol Vivant Normandie, a rencontré la chambre d'agriculture il n'y a pas longtemps, qui lui ont dit, aujourd'hui, c'est simple, c'est 90% des gens qui s'installent en maraîchage, c'est du maraîchage sol vivant. Voilà, c'est fini. Et je m'en suis rendu compte à plusieurs occasions, pour vous expliquer un peu quand même que c'est en train de se faire. C'est vraiment en train de basculer. Il n'y a pas très longtemps, je discutais donc avec mon ami Vincent. Et alors, moi, avant d'être maraîcher, j'ai travaillé dans une ferme céréalière. J'étais un excellent laboureur. Et je discutais avec Vincent, puis je lui parlais de mes histoires de charrues, que ça retourne la terre, qu'il faut les régler, que c'est compliqué, tout ça. Puis il me regardait, puis il n'en avait juste rien à faire. Rien du tout. C'est-à-dire qu'un paysan normal, vous lui parlez de travail du sol, c'est une évidence. On a tous notre expertise de la dent, du chose, du bidule et du machin. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais commencé à former une génération d'agriculteurs qui ne savaient pas travailler les sols et qui ne sauraient jamais le faire. Jamais. Alors, dernier point. Il y a 10 ans, pour tout néo-ruraux qui voulait reprendre un morceau de ferme, 1 ou 2 hectares, faire du maraîchage, etc., le label bio, c'était une évidence. Aujourd'hui, quand moi, je fais des formations, j'ai la moitié des mecs dans la salle qui me disent « Le label bio, j'en veux plus parce que le label bio, c'est la charrue. » Voilà, c'est tout. Pour eux, bio égale travail du sol égale vers de terre. Et le message est en train de passer dans le milieu professionnel, mais avec une force que vous n'imaginez même pas. Quand je vous dis que c'est la moitié, j'exagère pas du tout, quoi. C'est vraiment la moitié de tous les gens qu'on forme. Pour eux, aujourd'hui, c'est bio égale charrue égale on tue les vers de terre égale on défonce les sols. C'est en train d'arriver, et donc les choses vont basculer. J'allais dire bienvenue au Salon international du machinisme agricole, donc avec toutes les belles charrues en bas. On va prendre une dernière question, là, monsieur, s'il vous plaît. C'est aussi un sujet de la communication. Et pour être bien à l'aise avec votre démarche... Un peu plus près, La démarche. La démarche donc, que vous faites, que je suis depuis quelque temps, et à laquelle j'adhère totalement, c'est aussi donc un sujet de communication. Le public, enfin les consommateurs, ils ont été très surpris... très désagréablement surpris de comprendre que l'agriculture conventionnelle les empoisonnait depuis quelque temps. Et au moins ne les nourrissait pas bien. Là, votre technique, enfin la technique qui est opérante, ce qui vient d'être dit là sur les exemples en maraîchage sur sol vivant, les exemples sont vraiment probants. Mais comment en fait rendre les choses, enfin rendre les gens qui vont travailler dans cette technique très à l'aise? Moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous avez des difficultés à vous engager sur la chimie de synthèse et qu'à un moment, et Abadi le montre régulièrement dans ses exemples, il s'en est débarrassé pratiquement totalement et il pense que dans quelques temps, il va arriver à totalement s'en débarrasser. Pourquoi pas aussi dans la communication annoncer clairement que la démarche de sol vivant, c'est aussi la démarche d'affranchissement de la chimie de synthèse qui est quand même symboliquement très forte
chez le consommateur. C'est quand même lui qui va acheter les produits. Là, vous allez, la conviction, elle est forte chez les agriculteurs. Ça, j'en suis maintenant convaincu. Ça donne du sens, de l'intérêt. Ça donne la banane à des gens qui travaillent durement la terre et qui trouvent des solutions. À la fin, c'est quand même de vendre des produits. Est-ce que l'association du vivant, moi je reviens à cette question aussi faite par un agriculteur bio qui n'est plus là d'ailleurs, il a dû être déçu, s'il est là, il est là. L'association de la chimie de synthèse avec le vivant, il y a quand même un petit souci, alors c'est peut-être sémantique tout simplement, si vous arrivez à vous, clairement techniquement, à donner de l'info. Alors les démarches de progrès du coup, François. Je reviens à mon histoire de forêt primaire. La chimie de synthèse, elle permet de résoudre des problèmes. J'ai besoin de désherber, j'ai plus de 200 hectares, je ne vais pas mettre une bâche plastique, ça commence à être compliqué. Je ne vais pas y aller à la binette, c'est pas réaliste. Donc la chimie de synthèse, elle est utile, encore et nécessaire, là où il y en a besoin, parce qu'on n'a rien d'autre à la place. Pourquoi ce n'est pas forcément nous notre principal cheval de bataille? Parce qu'entre 2 kg de matière active dans un champ qui reste quand même de la chimie carbonée, et donc qui va quand même se décomposer, ou 200 tonnes de terre qui foutent le camp à la rivière, et un déficit de 150 tonnes d'humus à l'hectare. D'un point de vue agronomique et technique, quand on fait du développement, il faut prioriser les choses. Voilà. Donc il faut prioriser les plus gros problèmes. Et je dis ça alors que moi j'étais agriculteur bio toute ma carrière. Avec mon frangin, on était labellisé bio. J'ai aussi un autre souci, et là j'engage pas l'association, c'est vraiment mon point de vue tout à fait personnel, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, très très grosse partie de toutes les études qui critiquent les effets négatifs de la chimie sont juste de la merde. C'est-à-dire que c'est de l'anti-science, je trouve que c'est mauvais, je trouve que c'est de la très très mauvaise science, c'est totalement à charge, ça décale les problèmes, et moi ça me scandalise, moi, en tant que développeur, de voir qu'on dépense des quantités d'énergie et de fric incroyables à faire des études aussi mauvaises. Vraiment, moi ça me scandalise, et je suis agriculteur bio, tu vois, mais juste, ça m'énerve. Ces études, c'est juste de la merde, à longueur de journée, sur Facebook, sur tout, on voit des études vraiment mauvaises qui circulent, et il y en a des fois des bonnes, mais on voit une espèce d'agribashing, produit bashing en permanence, avec des études qui sont extrêmement mauvaises, et on peut en débattre, tu vois, de quelle étude est la bonne et pas la bonne, mais moi, globalement, je vous invite quand même à aller regarder vraiment ces études. C'est pas parce qu'on a une étude qui nous dit « Ah, la chimie, c'est mal », qu'elle a été bien faite, que ce qu'elle dit, c'est vrai. Non. Moi, je suis désolé, 9 études sur 10 que je lis, c'est juste mauvais. Bon, comme beaucoup dans la science aujourd'hui. Et in fine, pour moi, c'est même plus un sujet, en fait, cette histoire de chimie, parce que on envoie des fusées sur la Lune, on a réussi à faire des smartphones, on fait des trucs de dingue. Et aujourd'hui, on est en train de se prendre la tête sur cette question-là. Il faut juste y mettre les moyens, quoi, c'est tout. Je veux dire, des solutions, on est en train d'en trouver, je ne sais pas combien, en maraîchage, on a réussi à en trouver déjà une grande quantité. On parlait d'homéopathie, etc. Enfin, pour moi, ce n'est même pas tant un sujet, parce qu'on a l'impression que c'est un problème insurmontable, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Il suffit de se mettre au travail, de trouver des solutions, puis on va y arriver. Et si de temps en temps, il reste 3 molécules, je rappelle que c'est quand même de la chimie organique, que ça va se décomposer, et qu'il faut l'utiliser correctement, mais que ça ne tue pas forcément tout le monde dès le premier jour. Et qu'on a des témoins dans la salle qui sont d'ailleurs, on a Pierre Pujos qui est là, membre d'Agriculture du Vivant en bio et qui travaille justement sur ces itinéraires techniques de progrès. Je pense aussi qu'on a parlé pas mal d'essayer de réconcilier, de pouvoir discuter. Faut quand même pas se voiler malgré tout, la chimie a permis beaucoup de choses. Allez, depuis l'après-guerre, on va remonter jusque-là. Bon, moi, je suis de famille d'agriculteur. Malgré tout, c'était un peu de la magie à l'époque. Le souci, c'est quand on a commencé à inventer cette notion d'écosystème dans les années 70, qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait des cycles à respecter, qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, on a finalement pris peu de considération vis-à-vis de tout ça. Ce n'est pas grave, aujourd'hui, on en prend conscience. Ce respect du cycle du carbone à la parcelle devient très important. On sait que c'est le respect de ce cycle du carbone et son alimentation au travers de l'activité biologique des sols, etc., qui est une des clés. Maintenant, on va y arriver peut-être à cette agriculture sans chimie, mais il faut outiller cette agriculture, cette agronomie du carbone. Et moi, je suis toujours stupéfait du peu de détails techniques qu'on va avoir sur, par exemple, les couverts végétaux, qui sont un des piliers.
aujourd'hui un couvert végétal, on a des guides sur le blé, le maïs, etc., avec beaucoup de critères, précocité à la floraison, vigueur de départ, résistance, etc. Et sur les couverts végétaux, qui sont un outil majeur dans cette agriculture du carbone, on a peu de choses. Donc là, on a un vrai travail de R&D à faire. Sur tout ce qui est bio-intrants, biostimulants, etc., il y a sans doute des choses très intéressantes à faire. Des fois, pas très compliquées. Hein. Vous prenez le cas de la vitamine C, etc., des antioxydants, il y a des choses intéressantes à faire. Donc, on a besoin d'outiller, d'avoir des boîtes à outils. Laissons-nous le temps. C'est un pas de temps long. C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, on a 30 ans devant nous pour inventer cette agriculture. Il faut démarrer ensemble. Il faut démarrer avec les forces vives qui veulent démarrer. Mais laissons-nous le temps de pouvoir travailler ensemble sur ces itinéraires techniques-là qui sont complexes. Bon. Et on va clore le débat d'une façon très simple. Je vais pousser un coup de gueule quand même. Éco-phyto, on en a ras-le-bol. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça oblige tout le monde à réfléchir dans le monde du phyto. Non. Qui sait ici, dans la salle, que vous avez au moins 15 techniques de désherbage bio, avec un grand B et un grand L, logique ? Personne. Qui travaille à l'INRA sur la sortie du glyphosate ? Personne, puisque on enlève un produit pour quelque chose qui est encore pire, le travail du sol. Donc, de toute façon, on n'y arrivera jamais comme ça. Ce n'est pas pour ou contre, c'est démarche de progrès, mesure de résultat, point. Et les agriculteurs, on voit bien qu'il va y en avoir, qui vont arriver à un moment donné à ce débat, c'est-à-dire... On pourra désherber demain avec des plantes contre d'autres plantes. Ça passe par les relais, ça passe par tout ce qu'on a vu, mais il va falloir le maîtriser en routine sur de très grandes surfaces chez tous les paysans. Mais de toute façon, ça ne se fera pas en claquant des doigts et surtout pas avec une recherche agronomique complètement obsolète aujourd'hui. Désolé, mais on en a ras le bol. Donc les milliards perdus dans un puits sans fond, mais peut-être qu'il faut que ça change aussi. Si on mettait l'INRA au service du vivant, ben, ça avancerait peut-être très, 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 très vite. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Alain, tu vas dire un mot. On va conclure parce qu'il faut qu'on rende la salle. Alain, un dernier mot, une dernière poésie. Non, pas une poésie, mais évidemment, enfin... Tout ça, j'ai parlé d'optimisme, il y en a beaucoup malgré tout. Aujourd'hui, je crois que pour revenir à la question de la bio très rapidement, on est à 6%, ça va monter à 10, puis à 12, puis à 15, donc ça va avancer et progresser. Simplement, il faut tout réformer. Il faut tout réformer partout, et c'est ça qui est important, et ça va avancer. Ce que je veux dire qui tombe sous le signe de l'évidence, mais il est peut-être important de le dire, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, je crois que Frédéric en a un peu parlé aussi, il y a beaucoup de monde dans les formations. Il y a beaucoup de monde sur le terrain, dans les bouts de champ, dans les conférences, les journées techniques. Et il y a surtout, je trouve, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. La preuve, c'est qu'il y a des formations dans lesquelles plus personne ne veut faire des pauses. Et ça, c'est un bon indicateur. On l'a vu pendant 4 jours. Hein, on l'a vu pendant 4 jours, quand Gérard Dussert parle, vous avez 468 personnes qui prennent des notes. C'est vrai ou c'est pas vrai ? J'ai jamais vu ça, quoi. D'habitude, ils sont tous en train de s'envoyer des textos pour dire « ça va mon chéri, non mon amour, je suis pas là, t'as nourri le chat, tu veux que j'aille t'acheter des nouveaux slips pour mettre dans la terre pour voir s'il y a de l'activité biologique ?» Vous voyez ? Donc, il y a ça, et puis finalement, et moi c'est ce qui m'anime. Modestement, c'est ce qui m'anime, cet optimisme. Il n'y a pas d'agriculteurs, puisqu'il y en avait dans la salle. Alors, certains sont partis chercher des semences de couvert, là. Donc, tout le monde n'est pas resté et voir s'il y avait de nouveaux semoirs de semis direct intégral. Donc, on a perdu 15% de la population de la salle. Mais ceux qui sont restés, il y avait des agriculteurs. Y a-t-il un agriculteur dans la salle qui, dans la démarche agroécologique, veuille revenir en arrière ? C'est ça le sujet. Est-ce qu'il y en a un qui veut revenir en arrière ? Nous, on n'en a jamais vu. C'est comme à une époque, on cherchait les agriculteurs qui soient contre l'agroforesterie. Mais contre l'agroforesterie, quand on a fait tomber les idées reçues, tout le monde est pour. Faire plus de biomasse, plus de biodiversité et faire pousser un arbre qui, avec rien, fait beaucoup de choses, c'est complètement con de s'en passer. Hein ? Donc il y a de l'optimisme, de la volonté, de la dextérité. Et c'est un peu notre boulot à tous, là. C'est qu'il y a des choses géniales partout. Quand on les réagrège, quand on les met en scène, on est juste des petits chefs d'orchestre. Mais quand on les met en œuvre et quand on les met en scène, toutes ces petites choses qui fonctionnent, réagrégées, ça donne l'agriculture du vivant. Portez-vous bien, soyez sages et buvez des bons canons sur sol fertile.